Bonjour VOD, on est sur du Red Dead Redemption et on est sur la mise à jour spéciale Halloween qu'on va découvrir ensemble. Du coup, enjoy. Bon, en vrai, pour le moment, j'ai même pas... Je sais ce qu'il y a à peu près, mais je sais pas trop plus. Donc on va voir. Mais avant, la petite partie de Blackjack avant de commencer la journée. Ça, c'est toujours... Bets, please. Bets, please. No more bets this round. Ouais, d'accord. 10 here. 4 jours que j'ai volé. C'est beaucoup. 20. J'ai 20. Oh, je double la mise. Went past. J'ai gagné ou pas? Bets in. Attendez, j'ai doublé la mise parce que c'était bien. Est-ce que ça a marché? Ouais! Voilà, et voilà. J'ai gagné ma partie, j'ai gagné 2$. Non, si! J'étais à 15, je suis à 18. Hein? Comment ça, je suis à 18? Je suis à 13! Mais merde! J'ai rien dit! Non, mais j'ai mal compté! Ah, j'ai fait... Mais c'est quoi? C'est pas ça, doubler la mise? Oh putain, j'ai pas compris alors. Attendez, attendez. Oh, je suis dégoûtée, j'avais 20. Let's see your bets. Attendez, je mise. Okay, j'ai tenté de me refaire. Let's go. 18, all right. 18. Doubler mise. Mais ça marche pas, doubler mise, en fait. Hop là. 18. Et là du coup... Bah il avait 18. Ok, j'ai plus de thunes, ça me saoule. On s'en va. Non mais j'ai 13. Donc là j'ai regagné là. Oh je sais plus. Bon on va voir. Je vais voir mes télégrammes. Hein. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Où allez-vous? Fort bien et vous-même? Eh bah très bien, très bien. Je m'en vais aller voir mes télégrammes. À très vite monsieur. À très vite. C'est tellement pas quoi se dire. C'est trop drôle. Ah la prochaine fois je laisserai durer le silence. Ah ouais la prochaine fois je vais... Répondre que des trucs où on sait pas quoi dire, où ça ferme la conversation. Oula oula, attention toi. Tu peux lui dire de fuir? Genre par là-bas. Va-t'en, par là-bas, va-t'en. Ah ça y est, il s'enfuit. Ok, bon, il est bugué. J'en fuis pas du tout. Pourtant, je regardais vers une direction où il y avait personne. C'est ça qu'il faut faire. Oh, tu me fais peur, toi. Attention à pas marcher sur un petit chien. Ils sont trop mignons, les petits chiens. Je suis habillée... comme si j'étais à Saint-Denis. Bonsoir. Ah bonsoir, ah dame de Nise. Oh tiens, je t'avais pas reconnu de dos, petit Prosper. Bah oui, j'ai chargé de chapeau et tout ça. Ah oui. Ah bah je suis occupé de vous envoyer un télé... Oh bah écoutez, je vous l'envoie, hein, tant pis. D'accord, d'accord. Bah écoutez, je vais le lire et puis je... On se voit après. Ça va, très bien. J'ai envoyé plusieurs télégrammes depuis la dernière fois, bon y'a personne qui m'a répondu. Je crois qu'on pense que je suis presque morte. C'est vrai qu'on m'a pas répondu. Bon, j'ai pas envoyé à Pearl aussi, j'ai pas envoyé à Daphné. Ça fait longtemps, mais bon. Elles sont dans des affaires qui ne me regardent point. Il m'envoie vraiment, il est trop drôle. Je vous laisse le lire. Comme ça, on en parle après. D'accord.
va être marrant, tiens. Oups. En vrai, je pense que j'ai fait un coma cette semaine. Il semblerait qu'on soit le 16 octobre. Mais je me souviens plus de rien depuis le 11. Je termine ça. Ah bonjour, ça va? Vous êtes pas morte? On voit ça tout de suite. Il a répondu à tout. Bonjour, ça va? Non, vous êtes morte. Il m'a répondu à l'écrit. Oh bordel. Ah bah c'est gentil, vous avez répondu à tout ce que je vous ai dit. Ben voilà. C'était... Comme ça c'est clair. C'était fort sympathique. Bon, faut que j'aille me changer parce que bon, il fait froid en fait. J'ai pris, je me suis acheté une tenue de show business. Oh incroyable. Comme ça quand on cherchera des talents, eh ben j'aurai l'air d'avoir de savoir de quoi je parle. Ah bah ce que je vais faire, je vais peut-être aussi aller me changer du coup. Oui, comme ça on, au pire on passera pas inaperçu. Même si bon, voilà quoi. On fait ça. Pour le moment, je cherche juste des talents. Oui. j'ai vu que vous aviez regardé avec cette histoire de dossier. Mais oui. Faudrait quand même on le donne à monsieur. Faudrait qu'on en parle. Mais oui, mais bon, est-ce que lui au moins il sait comment ça se passe? Parce que bon, sinon on peut faire un petit entretien, ça serait peut-être mieux. Ben oui, est-ce qu'on peut pas faire ça? L'oreille, ça arrangerait si... tout le monde. Si je pense que ça arrangerait tout le monde si c'est lui qui doit gérer ça, donc bon. Parce que bon, les traces écrites en 12 exemplaires. Oh oui, oui, pour dire la même chose qu'on a déjà dit. Bonjour. 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 Donc bon. Moi, je pense que je serais une très bonne avocate. Ça, moi aussi. Faut juste faire en sorte que la personne se souvienne plus de quoi elle nous accuse. Et hop. C'est exactement ça. Ah oui, bon, je regarde par là, moi, et vous, vous regardez de l'autre côté, ok? Non, moi, je regarde vers vous. Ah, bah, d'accord. Ah, on met la tenue, allez, tenue bling-bling. Voilà. Je suis plus très sûr de ce que j'ai fait, moi. Oula. J'ai un monocle, j'avais oublié. Oh, cette tenue. Oh, les chaussures. Et j'avais oublié que j'avais ces chaussures. Ah oui, non. Là, j'en impose, là. Ah bah, les chaussures, tout de suite, ça impose. Ah oui, tout de suite. C'est pour ça que t'as toujours décidé de pas en mettre. C'est ça, parce que j'en impose trop. Oui, je voudrais pas imposer, moi. Oh, mais vous avez sorti le serpent et tout, quoi, carrément. Exactement, fait. Exactement. Moi, je me suis dit, bon, l'important, c'est que ça surprenne un petit peu. C'est que ça pète. Hein, et puis, bah, les chaussures, on les voit pas si elles sont pas très brillantes. Alors, j'ai pris des très brillantes. Là, ça très brille. Là, vous avez cassé vos lunettes, là, je vois. Ah oui, j'ai un monocle. Ça fait sérieux. Oui. Comme ça, si on me montre un document... Vous pouvez l'examiner en... Oui, facilement. Hop, comme ça. Là, j'examine et j'ai l'air plus sérieuse. Mais oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Pareil pour quand on fume à la pipe. Mardi en 8. Mardi en 8. Très bien. Mais qui... Est-ce qu'il n'y aurait pas Madame Pearl en bas? Parce que j'entends quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. C'est sa queen, hein. On va voir. Et l'otage, c'est Madame Kins. Ah non. Étonnant. C'est marrant, hein, comme on pense tous à la même personne quand ta gueule. Dieu, mais j'entendais à travers les murs et tout, donc je m'étais dit... Ouais, quelque chose de typique et de pirate. Oh, mais ce sont de vrais pirates. Bah, oui. Oui, on veut, oui. Contre Madame Kins, 10 bouteilles de vin rouge. Eh ben c'est parfait, alors attendez, je vais faire ça tout de suite. Au secours, les chéris. Vous avez de la chance, on vous a proposé 10 bouteilles de vin rouge. J'ai pas vu de bateau pourtant. Bah, les bateaux, c'est des barques. 10 bouteilles de vin rouge. Oui, c'est ce qu'elle vaut. Ah oui, mais dis donc, avec du vin. Ne vous apprenez pas, c'est un bateau. C'est dangereux. C'est un bateau, mais à cheval. Ah bah, d'accord. Bah, c'est un bateau à voile. Ah. Je ne sais pas. Ah non, c'est pas encore un échange en balise du genre. Ah oui, non, vous en faites pas. Mais le capitaine a récupéré l'échange. Alors, que le capitaine s'approche de moi. C'est moi, mais ça va être Monsieur Mousse qui va récupérer parce que j'ai pas de place dans les poches. Monsieur Mousse, en rapport. D'accord. C'est surtout allez-y, que c'est tenez, pas tenez, je vous donne l'échange pour l'otage. Faut pas se dire un spectacle. Ah, je sais pas, mais moi je regarde tout comme. Je suis meilleur
3, il y en a 13. Parfait. Je vous rends dans mon équipe. J'aime beaucoup votre talent. Bonne et due forme. Hop là, à la mer. Vous êtes très talentueux. Parfait. Quel talent? Vous avez un talent incroyable. Vous êtes talentueux. Et comment ça? Ah ben, vous êtes talentueux pour divertir. Ah bah j'aime bien. Vous êtes talentueux. Vertir. Oui voilà, vous vertissez bien. Et faites pour vous. Qu'on aurait eu plus de bénéfices si j'avais fait de la musique. C'est honteux. Vous, ah, pour être pas doux, vous êtes capoué. On va faire un... Non, c'est faux. Ouais, on peut peut-être faire une petite chansonnette. Vous, vous êtes c'est faux. On va faire un strad, on va faire un strad, c'est bon. Ah bah oui, sur les strad, oui, mais c'est à côté, les strad. Bon, vous avez de la chance, on est des bons pirates. Mais il y a notre navire qui part sans toi. Il part sans toi, vite, vite, et vous prenez une barque. Oh merci, champion. Bah, avec plaisir. Je me suis fait braquer. Il monte à combien là-dedans? C'est vrai que c'est intéressant, ça, hein. J'en veux une comme ça, moi. Ouais, ils sont que deux, je crois. Ah oui, non, bah c'est bon, ils en ont perdu un. Il a coulé. Vous êtes tombé. Vous, ah bah, vous allez vous noyer. Ah bah dis donc, ah bah dis donc. Dommage, on n'a pas de porte. Une porte qui flotte. C'était pas mal. C'était pas mal. J'aurais bien laissé une pièce, mais ils ont parti trop vite. Oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé voir la suite, moi. Moi, bah oui. Ils vont attaquer une île. Faudrait pas qu'ils croient dans le Kraken. Ah bah non. Ah les chevaux ils s'en remettraient pas. Un cracker c'est encore à la limite, c'est sympa. Ah oui, un cracker. C'est ouais, parce qu'on est à la recherche de fromage, figurez-vous. Oui. Ils cherchent du fromage, les pirates. Oui bah, c'est... vous savez la crise... enfin ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Oui bah le rhum c'est un peu compliqué maintenant. La piraterie c'est un peu... c'est particulier. Et puis bon. Bah c'est des enfants, alors bon, ça doit pas être du rhum, ça doit plutôt être du lait fraise. Je vais m'écarter. Ah oui. Oui, oui, les oui. Les fraises et fromages, je sais pas, je suis pas sûr. Les fraises et fromages. Bah du coup, cette affaire. Oui, est-ce alors. Sinon, on va voir c'est... Monsieur Pennyworth. Oui, bah c'est là-bas alors. Oui, c'est surfait. En attendant, ça marchait toujours dans des directions aléatoires, vous avez remarqué ça? Incroyable. Et je... Bah là, c'est eux, ils nous ont déconcentrés aussi. C'est on se déconcentre un petit peu facilement, peut-être. C'est à vous, ça. Vous nous déconcentrez. Vous êtes déconcentrant. Oula. Faudrait pas qu'ils prennent mal, qu'ils disent des cons, de quoi, qu'ils font quoi, s'en prend, ok. oui, ce serait un peu dommage. Mais faire gaffe, je vais me faire tabasser encore une fois. Oh, bah, là, j'aurais quand même confiance. Non, par contre, ils pourraient vous prendre en otage pour vous échanger contre quelque chose. C'est comme des pirates, quoi. Oh bah ils auront pas grand chose. Même pas de chaussures. Oui c'est pas faux. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Pennyworth, est-ce qu'il est là au moins? Oui c'est ça qu'il faut savoir. Oui. On va peut-être demander à ces gentlemen. Oui. Et c'est dame. Excusez-moi. Excusez-nous. Monsieur dame. Nous sommes à la recherche du maire, monsieur Pennyworth. Est-ce que vous l'auriez vu? Je sais pas où il est. Tout le monde le cherche. On l'a pas vu ce soir. Je vais peut-être essayer d'aller retrouver mon mari quand même avant qu'il en tue un. Oui. Oh non, attendez encore un peu. Il veut tuer un pirate. Oui. C'est spécial. Le sacré lion, oui. Oh, c'était un sacré talent. Oui, ils étaient talentueux. Nous, on connaît un talent. Je crois que Viskins a en effet tout à fait cru. De façon peut-être un peu trop prégnante. Oh, d'accord, c'était bien une petite blague. Bah, je pense, oui. Bah, disons que leur bateau, c'était une calèche avec deux chevaux. Donc, bon, à partir du moment où c'est pas une blague, c'est qu'il y a un petit souci de visualisation. C'est sûr. Et. La pire c'est que, bon, improvisée. Si on peut casser une patte au bateau, c'est qu'il y a un souci. C'est que c'est pas tout à fait le bon bateau. C'est pas vraiment un bateau. Et il risque de se faire mal s'il passe les gens par-dessus bord, quoi, parce que c'est. Ah oui, oui. C'est le sol, en fait. Ah, bah, il a essayé de nager, ça a pas trop servi à grand-chose. Encore quand il pleut, il y a des petites flaques, mais là. Ah oui, ils sont un petit peu mouillés. Ils sont un peu humides. Il faut aller à Valentine, alors, à ce moment-là, pour dire de. Par sécurité. Oui. C'est vrai, oui. Bon, on devrait peut-être s'inquiéter de pas avoir, de pas les faire revenir quand même. C'est vrai que par contre ils reviennent pas, il y avait du monde hein. Autour, on les a quittés, il y avait du monde autour. Ouais, peut-être pas une mauvaise idée d'aller voir. Oui, je pense aussi.
Bon bah nous aussi. Bon allez, allez, on vous suit. Hein. Puisque donc... Monsieur Pennyworth, c'est Monsieur Pennyworth, s'il est pas là aujourd'hui, moi j'ai pas son télégramme. Bah non, moi non plus. Ah, ah oui, ça serait bien. Oh bah c'est gentil, oui, je savais pas si... On a des dossiers à faire, on va commencer par un télégramme en fait. Ce serait pas mal. Ça peut être un bon début, oui. Alors... Hop. Alors... Monsieur Pennyworth, c'est oui, dites-le le... Attendez, ma liste est longue. Je comprends, je comprends. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui sait se faire des contacts, c'est bien. Ben, j'essaye, hein, pour l'école, c'est toujours utile. Ah, mais oui, c'est vous vrai. Oui, ah oui, la maîtresse d'école. Oh yeah, oh yeah, le ménestrel des pirates va bientôt chanter. Oh, oh là, d'accord. Oh, oh ouais. Mais oui, mais c'est celui qui chantait. Il chante bien, celui-là. On va vraiment les recruter, hein, je suis ah désolé, oui, non, mais oui, un jour. Ok, on vous écoute. Alors, c'est NL... 680. Okay, N parfait. Ou M? J'ai pas bien entendu. N. N. N comme Nathalie. Et pour N, son adjointe... N680. Oui, dis donc. Son adjointe aussi, c'est Eleanor Price. Oh oui, j'ai été rencontrée, effectivement. Ah, mais c'est son adjointe! Moi, j'avais noté que c'était une avocate, mais d'accord, c'est aussi son adjointe. Une avocate? C'est vrai, oui. Et du coup, c'est le HP561. Oyez, oyez, messieurs, dames, l'équipage des pirates va fêter sa victoire. Oui, bravo. Adieu, l'estrade. Il faut venir écouter les chansons du ménestrel pirate. On arrive. Et puis, il faut préparer son portefeuille. Pardon, je vous attends pas. Moi, je peux le redire plus fort, la, portefeuille. La. Alors, allez-y. C'est bon pour vous, du coup? Allez, messieurs, dames. Alors, oui, moi c'est bon, parce que j'avais déjà celui d'Eleanor Price. Je savais pas que c'était l'adjointe, c'est HP561. C'est ça. Parfait. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Un grand merci. Hop là. On va aller voir ça. Tout à fait. Ils sont partis où? Bah, ils sont à l'estrade. Parce qu'ils sont tous là. Il y a du monde à l'estrade. J'ai fait une clean install Windows, j'ai l'impression qu'il y a tout pour normal, un classique. Ils ont été prévenus. Eh ben dis donc, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Oh là là, j'ai une petite chanson de pirate pour vous si vous le voulez. C'est une chanson qui parle justement de boire et qui correspond à peu près à l'action qu'on vient de faire. Bon, là on a eu du vin rouge. Le vin rouge c'est typique, mais bon, d'habitude on va plutôt genre vers la tequila et vers Mexico. Eh, Mexico, oui, j'aime beaucoup le vôtre aussi. On s'éclate bien. Et votre veste. C'est vrai. Même pas ailleurs à ce que je vois. When the quest is over and the battle's won, tell the man to the south where they go to have some fun. The witches there are plenty, the alcohol is free. The party lasts on through the night and the alcohol is free. Whoa, 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 tonight we drink together. Whoa, 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 attendez, faut que j'en... Tomorrow we may die. C'est les Storm. Allez, Storm. Je sais pas comment ça se dit, mais moi je le dis comme ça. Oulala, oulala, oulala. Drink and steal and kill. While we are questing in the search of bigger thrill, we sail across the ocean. We've drunk in many bars. Eh oui, j'ai le même look que l'autre. La Frida là. Whoa, whoa, whoa. Tonight we drink together. Whoa, whoa, whoa. Tomorrow we may die. Yo, ho, Mexico. Fly to the south on the cactus grow. Tequila and a donkey show. Mexico, Mexico. Yo, ho, Mexico. Mes cheveux me font peur. Go to Mexico. Quel copieux, c'est la Frida, mais t'as vu? Putain, elle dégoûte là. Frida van der Truc. Elle faisait exprès de dire un truc pas compréhensible parce qu'elle pensait que nous on comprendrait pas. Nous on connaît, nous. C'est incroyable, bravo. Mexico, Mexico, yo, how Mexico, fly to the south where the gangsters go, take
Qu'est-ce qu'il y a, gueule? J'aurais dû aller vers elle et... Tu sais que tu m'écoutes pas, oh. T'habilles pas comme moi, là. C'est quoi, ça? Eh oh. Bravo. 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 Yoho, Mexico. C'était le capitaine du... et l'équipage et le ménestrel du Mary Jane. Bravo. Merci, merci. Oh, bravo, c'était trop bien. Attendez. Ah, bah dis donc, bah dis donc. Les nôtres, faites du bruit. Bruit. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, Ménestrel, as-tu assez de bruit pour faire une nouvelle chanson? Ah bah oui, je crois bien, je crois bien. Mais c'est plutôt, ça va plutôt être calme. Ça va plutôt être une petite balade. C'est une petite chanson qu'on faisait beaucoup dans notre famille, qu'on se disait. Je me sens. Eh, c'est une chanson qui commence un peu comme ça. Ah, j'ai un oiseau. Ne m'oublie pas, je vais devoir m'en aller. Ne m'oublie pas, tu ne dois pas pleurer. Même quand je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur. Ne m'oublie pas. Awkward, ouais, c'est la danse awkward. Cette regret que je pars, ne m'oublie pas. Peut-être mettre autre chose. Quand tu entendras une guitare, tu ne me vois pas, pourtant je suis tout près de toi. Quand je chante, tu es dans mes bras. Youhou! Ne m'oublie pas. Bravo! Oh, c'est triste! Aïe! Oui, oui, un Camille, une pièce de 50. Ah bah, merci, 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 merci. Maintenant, messieurs, dames, maintenant, il va être place à Monsieur Mousse. Oh, Monsieur Mousse. Présenter ses talents. Nous, on aime beaucoup le talent, nous. Monsieur Mousse. Vous, je vous préviens, ça va vous choquer. Vous avez du talent. Il faut que je me... Oh, je m'attendais pas à ça. Oh putain. Bravo, mais qui est c'est exceptionnel. Galvanisé, messieurs. Ah oui, comme du Galvanos. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, monsieur Mousse. Tiens, prends à boire, prends à boire. Ah bah oui, je sais pas comment il respirait avec tout ça, moi. J'ai pas de... Ouais, faudra qu'on trouve du rhum, hein. Oui. Pour toi, ce sera du lait fraise. Comment ça, du lait fraise? T'es trop jeune. Oh bah non, vous savez, c'est du rhum. Eh ben, à votre santé. Etienne. Moi, j'ai un abord, moi. Peut-être qu'il serait temps de faire un vrai discours de pirate. Aïe! Oh! Oh là là! Le discours du capitaine! Car, comme vous le voyez ici, je suis le fier capitaine de l'équipage du Mary Jane! Oh. Et nous avons fait aujourd'hui ouais. une yeah. victoire que nous devons fêter yeah. ici, en lieu et place de Blackwater! Oh. Ouais. Mon équipage, composé de Monsieur Mousse, le galvanisateur des foules! Ah, wow. Fort et puissant, qui souque les artimuses. Composé aussi de canne à sucre. Ah oui, la vigie, l'œil de nos bateaux, ainsi que les oreilles qui sait prédire les tempêtes. Oh là, je suis trop bien. Oh, nous avons elle aussi, prédit tout. Nous avons aussi wow. dans notre fier équipage. Notre ménestrel,
que je vous invite à applaudir à nouveau bien fort. Bravo. Ces chansons qui envoûtent, telles les sirènes de l'océan. Oh dis donc. Mais quel est son petit nom chinois, ce ménestrel? Maître Miyagi. C'est Maître Miyagi le ménestrel. Nous avons ensuite mon adjoint, mon bras droit, la personne sur qui je compte pour traverser les océans, les mers et toutes ces aventures. On a la personne ici qui va se présenter lui-même fièrement. Ah oui, d'accord. Oui. Et bah moi, c'est Bilbo, ouais. Aïe. Ouais. Il est les bras armés de l'équipage. Bilbo. Et j'en suis, moi, le capitaine, la tête pensante. Et la nous avons aussi avec nous une gourgandine qui traverse les mers pour nous accompagner. Oui. Je l'invite à monter sur les estrades. Parce que c'est moi la gourgandine. Bah, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est le poste de ceux qui déchargent les canons. Oui, oui. La gourgandine au poste de canonnier. C'est moi. Qui charge et décharge avec une dextérité étonnante. Elle fait preuve d'une vitesse qui en découragerait plus d'un. Nous vous remercions pour votre écoute. Et nous vous remercions pour l'attention portée à l'équipage du Mary Jane. Et vous souhaitons bonne continuation sur ces mers difficiles. Bravo! Bravo, bravo! Embarquez! Embarquement! Bravo! Bah dis donc! Tu montes à combien là-dedans? Oh là là! Eh, je suis curieux là. Et bon voyage, gourmandine! Ah, ils vont sur le côté. Bonne soirée, Blackwater. Bonne soirée, l'équipage des l'équipage. Au revoir, Au revoir les gourgandines. Oui, au revoir les gourgandines. Ils sont partis, emportés par le vent. Pas le chien, on l'aime bien. Oui. Ah, voilà. Oh là là, c'était impressionnant. Et je m'attendais pas à ça. Ben oui. Et comment qu'on va les engager? Faudra les payer en rhum ou je sais pas quoi. Oh ouais, on les fraise. Ouais, bah c'est oui. Une bonne idée, c'est bon les fraises. Oui. Bah oui, c'est pas mauvais. Et puis bon, bah ça fait vivre des fermes locales. Ah oui. On fraise. Eh, c'est vrai, hein. J'aime beaucoup vos chapeaux. Ah oh, merci, c'est très gentil. Ah oh, merci. Tous les deux, c'est vraiment très sympa. Ah oui, on donne beaucoup dans le style. Ah mais oui. C'est ce que je vois, oui, c'est c'est coloré, c'est vraiment très joli, hein. Oh merci, oui, merci. Vrai. C'est parce que nous sommes chasseurs de talent. Ah. Voilà. Ah, c'est pour ça que vous avez regardé le spectacle. Ben oui. Oui. Parce qu'en fait, on projette de racheter le théâtre ici à Blackwater. Tout à fait. Mais du coup, faudra le remplir avec des gens talentueux. Alors, on cherche des talents. Oui. Oh, ben, vous savez, il y a un troubadour qui est passé il y a quelques jours. Franchement, il était incroyable. Hein. Ah oui. Ah oui. Peut-être que c'est celui qu'on avait déjà vu. Il était prêt. Ben, c'est celui qu'on a vu là, en fait. Oui. Ah, peut-être. Peut-être que c'était lui. Après, c'était un pirate, là, donc c'est difficile à dire. T'as déjà reconnu la chanson? Mais c'était vraiment incroyable, hein. Il jouait super bien de la guitare, c'était vraiment incroyable. Hein. C'est peut-être bien celui-là, oui. Oui, c'est peut-être bien celui-là qu'on a dit. Il y en a peut-être d'autres aussi. Je crois qu'il y en a un autre qu'on n'a jamais croisé. Ah, c'est très possible. Il me semblait qu'on en avait parlé et c'était pas lui parce que lui, il était pas accompagné. Ah bah oui, bah peut-être. Il était avec accompagné d'une jeune fille. Oh oui, il était aussi d'une dame, oui. Et puis oh, bah. Gens aussi avec lui, mais, ah, c'était peut-être lui alors. Ah bah oui. Si, j'ai pris un, pardon. Impressionnant. J'ai dit bonjour. Des chansons sur Saint-Denis oui. Et sur Blackwater, c'était incroyable. Oui, oui, ils sont tous doués là. Et puis je pense qu'il y en a une qui fait de l'improvisation théâtrale. Ah oui, c'est vrai. T'as l'air vachement sympa. Ah oui. Ah bah vraiment, ils sont vraiment très très forts. Hein. Ah c'est bon ça va. De toute façon, notre théâtre, il sera ouvert même aux amateurs. Hein, je vais dire oui. Vraiment. Bah, surtout qu'il y en a qui veulent faire des cours de théâtre et tout en plus là-dedans. Alors et ça serait bien. Pour apprendre à parler. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. On se disait même qu'on ferait des conférences dedans. Bah, normalement, c'est plutôt à l'école, hein, mais oui. Ah oui. Oui, mais bon, l'école, elle est loin quand même. Mais après, c'est genre. Elle est ici, l'école. C'est genre. Ah, elle est pas loin alors. On peut s'entraîner au théâtre, du coup. Ah, bah oui, voilà, oui. Par exemple, ça peut être une idée. Si c'est autour de peut-être de la poésie, de réciter des pièces, des poèmes, un mal de tête. Ah, bah oui, c'est ça. Par exemple, des gens qui disparaissent, on pourrait essayer de faire une dissertation sur la visibilité. Que se passe-t-il quand nous sommes plus là? C'est ça.
Mais du coup, vous voulez reprendre le théâtre ? Oui, le petit. On aimerait bien, oui. Parce qu'il y a un grand théâtre, mais celui-là, je crois qu'il est complètement en ruine. On peut pas l'avoir. Par contre, il y en a un petit où il y a un cinématographe. Et là, celui-là, on peut même le visiter, etc. Oui, et on s'est dit, c'est bien dommage qu'il n'y ait rien qui soit fait ici, parce que c'est une très chouette ville, mais les gens, ils sont beaucoup de passage, finalement. Je crois qu'on... D'accord, c'est ce que je disais. What the fuck? Waouh! Il y a des sous. J'espère qu'ils n'ont pas une attaque des DDoS. J'espère qu'ils ne se font pas des DDoS. Je leur souhaite, on va voir. Je vais fermer, mais là, c'est peut-être soit un petit crash. Je regarde, j'arrêtais pas de voir sur le... le TeamSpeak, où il y avait plein de mouvements partout, ça arrêtait pas, je me suis dit, c'est bizarre ça. Donc, est-ce que c'est une attaque DDoS? Je crois que oui, en vrai. Ça pue le DDoS, ça. Ça pue le DDoS, mais je vais essayer de me reconnecter. Mais bon. Je vais avant voir sur le Discord quand même. S'il y a des infos. Je crois qu'on ennuie les gens, je crois. Quand on raconte notre histoire. Non, en vrai, c'est cool. Là, ils sont... Non, on les connaissait déjà, mais c'est très sympa leur musique. Là. Ils sont vraiment très doués, le chanteur. Général Commu. Général Commu. Je vois pas. Entraide générale, peut-être. Écoutez, je vais voir si je peux me reco. Parce que bon, je veux pas me reconnecter si le serveur est en train de galérer et tout ça. Je pense que ça risque de foutre le bordel plus qu'autre chose. Bon, je me reconnecte et on voit. Allez, on dit ça. Si j'y arrive. Et je vois beaucoup, beaucoup de mouvements sur l'ETS. Ah, ça a l'air de se calmer. T'es con ? On était avec du monde. Ah, on entend les gens qui se connectent. Avec Denise et son look. Look incroyable. J'ai plus de thunes, moi. Je donne toutes mes sous, mais bon, là, ça valait bien 5$. Hein. En plus, ils sont 15, là. Et comment allez-vous, madame, qui est mon sosie? Plutôt à qui je suis le sosie. Ça marche dans les deux sens. Pas de non, soucis. Je pense que vous êtes un peu plus grande que moi. Oui, mais... C'est un détail, ça. Oh, c'est que vous avez une coupe qui vous plaît, c'est surtout ça. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Vous avez aussi un gros mal de crâne il y a quelques temps. Ouais, j'ai cru comprendre que, bon, on a eu tous un petit souci, mais c'est l'humidité, ça. Ah bah c'est ça, ça bouche le nez. Oui. C'est le changement de saison. Ça bouche le crâne aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, vous avez tout bien. Et comment vous appelez-vous, jeune fille? Moi, je m'appelle Jen McFly. Jane McFly, très bien. Et bien, enchantée, Jane. Et bah, ravie aussi. Moi, c'est Denise Duval. Denise Duval. Tout à fait. Ravie. Et vous, ravie. Êtes monsieur Duval, du coup. Monsieur Forêt. Eh, c'est pas monsieur Duval, du coup. Non. Ah bah non. Non, il pourrait être mon fils. Bah non, je pense pas, hein. Oui. Non. Voilà. Bref. Est-ce qu'il t'aurait gardé mon nom? Pas sûr. Ah oui, non. Ce serait très bizarre. Et du coup, j'ai mangé votre nom, monsieur. Prosper Forêt. J'ai oublié son nom. Comme la forêt, d'accord. Okay. Il s'appelle McFly. C'est là qu'on m'a trouvé, ils m'ont appelé comme ça. Ah bah c'est bien, parce que comme ça au moins, vous savez d'où vous venez, pour le coup. Oui, mais c'est assez poétique, en plus, c'est marrant, c'est vraiment un comble que ce soit aussi poétique pour quelqu'un qui veut reprendre un théâtre. Je trouve que c'est beau comme image. Oh. Oui, c'est incroyable. Effectivement. Aussi. C'est vrai que raconter ton histoire, ça pourrait faire beaucoup. Hein. On pourrait faire un spectacle sur ta vie.
Ah ouais, un pestacle incroyable. Ah, ce serait incroyable. Ouais, je pourrais raconter toutes les fois où j'ai été possédé par des pianos. Ah, oh, des pianos. Oui. Ah non, ça c'est une histoire à raconter, ça. Elle s'appelle vraiment... Non, c'est non, pas Marty. Ça s'appelle comment? Enfin, je sais pas où, des pianos diaboliques, je sais pas exactement la nature du truc. Mais celui ici, hein, Blackwater, déjà deux fois. Dites-moi. Celui de Valentine aussi. Oh là là. Oui, c'était incroyable. Mais je pouvais plus m'arrêter de jouer. Il a fallu lui goûter. Est-ce que vous étiez comme dans une transe? Non, plutôt comme dans une danse. Parce que je jouais du piano, donc c'était plutôt sympa. Bah, c'était ta dernière danse. Oui, c'était juste une dernière danse. Avant l'ombre et l'indifférence. Oh, c'est beau, c'était ça, super. C'est très poétique. Ouais, parce qu'il fuit le silence. Ah bah oui, exactement. C'est poétique. Ah bah bonjour, monsieur Blackburn. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais. Monsieur Blackburn. Ah, je savais pas que monsieur le vicomte s'appelait Blackburn. Du coup, j'ai rencontré madame. Oui, c'est vrai que... Eh bien, bonne soirée à vous. Eh bien, bonne soirée aussi. Bonne chance pour le j'avoue théâtre. Que bon, merci beaucoup. Croise les doigts. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de soutien ou quoi que ce soit. J'ai l'impression bah oui, on croise de temps en temps en plus ici. On pourra faire un spectacle avec les enfants de l'école. Je suis sûr que vous êtes pour vos enfants. J'ai une bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir, mademoiselle. Merci beaucoup. Et il faut qu'on envoie un télégramme, nous. Ah bah oui. Pour me servir de ma carte après. C'est très facile pour ne plus s'en servir. Jeanne McFly. Merci. Ou Jane. Ils sont deux à discuter maintenant, carrément. Ils se font des discussions, super. Eh, bonjour, monsieur. Bonjour. Bon. Comment on fait? Je vous laisse écrire, j'écris. Comment qu'on se fait? Bah, vaut peut-être mieux que ce soit vous. Vous êtes la ça caution. Je suis la caution sagesse. La conseilleuse. alors. La caution chaussure, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. La caution business, un petit peu. Et toi, tu es un petit peu l'esprit libre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'était bien NL680, puisque je l'étais pas sûr d'avoir bien entendu. C'est ça. NL680. Très bien. Alors. Monsieur Pennyworth. FQ250. Oui. Faudrait pouvoir lui dire. Dossier théâtre. Oui, voilà. Faudrait pouvoir lui dire veuillez tenir ce télégramme en guise de dossier, quoi. J'ai peur que ce soit pas très sérieux. Oui, mais faut expliquer qu'il y a une pénurie d'encre, par exemple. Ah, une pénurie d'encre, oui, pourquoi pas. Une pénurie d'encre, et du coup, le seul moyen vraiment de faire un dossier est valable, sans retrait à Saint-Denis, ce serait... c'est vraiment le télégramme, quoi. Après, que je lui demande un petit peu les... Enfin, il avait pas l'air d'être trop au courant que c'était lui qui devait s'en occuper, donc c'est aussi pour ça. c'est que bon... Ouais, c'est ça. C'est ça un peu le souci. Je vais lui demander ce que lui voudrait qu'on fasse, si une rencontre, voilà, si un entretien, ce serait parfait, comme ça on serait tous les incroyable. Deux en plus. Voilà. Je vais lui proposer ça. Alors, veuillez trouver 6 juin. Monsieur Pennyworth. Pas le 6 juin, mais le 16 octobre. Ah oui, merci, c'était presque proche. C'est vrai. Bonjour monsieur Pennyworth, tu m'as. Je me permets de vous contacter. D'accord ? Contacter au sujet de notre volonté à moi, Denise Duval et Monsieur Prosper Forêt. D'acquérir. De faire l'acquisition. Je trouve que c'est mieux. Du théâtre de Blackwater afin d'y développer l'activité culturelle de la région. Ah, il y avait même une machine à écrire ici. Oh bah tiens, c'est incroyable.
Après recherche d'informations, l'on nous a dit de voir avec vous pour de voir. On nous a dit que c'était avec. On nous a dit. L'on nous a dit. Que c'était auprès de vous que nous devions déposer le dossier. Montée de rachat. Je vous contacte donc afin de afin d'en savoir plus. Voilà. Ah bah recoucou. Vous allez re-bien. On va toujours bien. Hey, c'est ce que je vois. Hein. Vous êtes colorés, ça met de bonne humeur. Oui, on est toujours de bonne humeur aussi, c'est vrai. Et c'est agréable, hein, c'est agréable. Oui. Il y a des gens, ils râlent tout le temps, c'est pas gay. Ah oui, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Voilà, alors je lis ce que j'ai écrit. Oui. Bonjour Monsieur Pennyworth, je me permets de vous contacter au sujet de notre volonté à moi, Denise Duval et Monsieur Prosper Forêt de faire l'acquisition du théâtre de Blackwater afin d'y développer l'activité culturelle de la région. Après recherche d'informations, l'on nous a dit que c'était auprès de vous que nous devions déposer le dossier quant à notre volonté de rachat. Je vous contacte donc afin d'en savoir plus. J'ai mis d'once. Oui, c'est probablement... C'est pas terrible. Afin d'en savoir plus sur les informations que vous souhaitez avoir dans le dossier et si éventuellement nous pourrions convenir d'un entretien à la place du dit dossier entre vous, moi et Monsieur Forêt, afin que l'on vous fasse part de nos projets. Dans l'attente de votre réponse, bien cordialement, Denise Duval, Prosper Forêt. Parfait. Parfait. Envoyé. Une histoire qui roule. Et ça roule. Si on n'est pas obligé de faire un triple exemplaire d'un dossier de je sais pas quoi avec des études si, de si on de peut s'arranger avec lui, c'est mieux, oui. Et puis surtout oui. Que... Encore une fois, c'est un projet à deux. Au revoir, Miss. Passez une bonne journée. Et bonne journée merci. À toi. Moi aussi. Parce que bon, je pourrais réécrire exactement la même chose dans le dossier, quoi. Oui, bah oui, c'est un développer peu ça. L'activité culturelle de la région. C'est ça. C'est à peu près ça. Oh là là, il y a du monde ici. C'est la réunion. Bonsoir, messieurs, dames. Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir, messieurs dames. Bien le bonsoir. Excusez-moi, oui. Personne n'a vu monsieur Pennyworth, vous saurez quand est-ce qu'il vient, ou s'il vient. Ou s'il vient, peut-être. Ouais, parce que moi aussi, il faut que je le voie. Oui. Même, bon, bah, c'est pas grave. Pas. Par contre, faites attention à vos petits pieds, parce que vous allez avoir mal aux pieds, il fait chaud. Hein. Ah ouais, non, mais c'est moi, j'ai jamais vraiment mal aux pieds, vous savez. Il est toujours pieds nus depuis qu'il est petit. Ah bon c'est l'habitude, du coup. J'ai des orteils qui sont claustrophobes, alors du coup, j'ai comme... Voilà. Il a comme en fait, une semelle qui a poussé toute seule sous ses pieds à force. Des orteils claustrophobes. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Ah, pareil. Oui, ça fascine un peu les médecins aussi. Vos doigts de pied sur les attrapeurs.
Oui, apparemment. C'est incroyable. Mais tout est un peu à part chez moi, vous savez. Vous êtes, oui, vous êtes très stop habillé, entre chaque phrase. Ah, oh, j'avoue. C'est du style. Très distingué, comme ça. Ouais. C'est vrai. Effectivement. On fait un effort avec Madame Denise. On essaye. On est sur notre 31 pour chasser des talents. Oui, nous sommes chasseurs de talents. Chasseurs de talents. Tout à fait. Alias, c'est pour toi. Moi, j'ai un talent, si vous voulez. Ah, vous avez un talent. Oh, ah, n'hésitez pas à nous dire. Non. Moi, je chante un peu, mais c'est pas... Oh bah, ton talent, c'est de tout perdre. Si. Non, moi, mon talent, c'est de gagner à la roulette. Et tout perdre. Ce qui dit pas, c'est que... Ouais, voilà. En fait, je gagne beaucoup et je perds tout après. Parce que, bon... Vous avez un couvre-chef qui est dans l'air du temps, monsieur. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui. On était de mort, j'ai pas vu. Oui, c'est la fête des morts à la fin du mois. Ah mais oui, c'est vrai. Ah bah voilà, bah j'ai bien fait de le garder celui-là, tiens. Oui, c'est vrai. Vous êtes à la mode, vous voyez. Oh, faudrait que je me trouve une tenue, moi aussi, tiens. Ah, mais vous savez, monsieur, je suis la mode. Ah, vous êtes la mode, vous Les gens ne sont parfois pas prêts, mais ils y viennent. Ils y viennent. Ah, mais la calève. Qui c'est, ces banditos, là? Ah bah tiens, c'est pas des pirates? On est... Ah oui, faut faire gaffe. Du coup, en fait, on va peut-être... on essaye ici de voir... Ah bah oui, ils reviennent, les pirates. On essaye de racheter le théâtre de Blackwater, donc... On s'est fait attaquer par des brigands. Oula. Ah, vous avez perdu la bataille. Ah, vous essayez d'acheter le théâtre de Blackwater. Ah bah écoutez, oui. C'est tout le plaisir que je vous souhaite. Du coup, vous allez pouvoir effectivement mettre des animations en place. Exactement. C'est un petit peu dommage, il y a un théâtre, il est jamais utilisé. C'est pour ça que vous voulez voir Monsieur Pennyworth. C'est ça. C'est ça. Parce que... Et ensuite, bah, des recherches, hein, comme madame là, qui chante. Nous, on sera en recherche de talent de toute façon. Hein. Oui. D'accord, okay. Ah, ça peut être très, très bien, ça, organiser effectivement. Bon, et, comme je le vois sur l'estrade là-bas, en fait, une espèce, on va dire, de spectacle au bout du jour. Et bah, exactement, il y a même un petit kiosque en extérieur qui pourrait être très chouette pour accueillir quelques spectacles juste à côté du théâtre. Il y a un petit kiosque. Juste à côté, un petit kiosque extérieur qui est. Et certains spectacles pourraient être dessus aussi. Donc, on essaye de voir ça. Bah, n'hésitez pas à envoyer un télégramme dans ce cas, monsieur Pimort. Hein, oui, bah oui, on n'avait pas son télégramme jusqu'à aujourd'hui, on nous l'a donné, donc on a pu. Il est beaucoup là, mais c'est vrai que là, tout le monde a l'air de le chercher. Oui, il aura du boulot, je pense, quand il va revenir. Tout à fait. Bah, écoutez, messieurs, dames, on va vous souhaiter une bonne soirée. Oui, bah oui, pareillement. Merci beaucoup, et puis très bon courage. Vous recroise, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de vous produire, mademoiselle, quelque part. N'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. On pensait même faire un concours de talent, alors. C'est ça. Un concours de talent amateur, il faut vraiment pas hésiter. Oui. Ah, bah, écoutez, il y en a un qui veut faire la faveur en pétant, alors bon. C'est très bien. Ouais. Bonsoir, madame. Super. Vous avez peut-être une talente qui vient de se présenter devant vous. Bon, allez, on vous laisse. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci. Vous auriez pas vu Bobby par hasard? Qui est donc Bobby? C'est mon poney, il est à peu près grand comme ça. Il est gris. Est-ce que vous l'avez vu? Grand comme ça à peu près. Ah oui, à peu près. Oh oui, à peu près, oui. Ah non, je l'ai pas vu, moi. Attends, non, j'ai vu des grands chiens. Ah oui, il y en avait un de l'autre côté, là. Ah oui. De l'autre côté du télégramme, il y en avait un, mais un tout clair, comme ça. Ah oui. Avec des yeux bleus. Ah, non, Bobby, il est tout gris et un peu blanc. Moi, j'en ai un qui est tout gris, mais c'est pas un poney. Ah, c'est pas un poney. Non. Ah oui, c'est un grand. Ah oui, non. Ah, il s'appelle pas Bobby, du coup. Bah non, du coup. Ah non, il s'appelle plutôt Tartiflette. C'est joli, ça donne faim. Oui, vous avez essayé de le hélé. Ah oui. Avec un hash comme dans hélé. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous demandais si vous l'aviez éventuellement vu. Alors parfois, non. Mais c'est vrai que je sais, c'est que les chevaux, parfois, ils sont timides. Oui. Il faut parfois sortir légèrement de la ville pour les appeler. On a aux yeux bleus. Ah oui, on a. Ah bah oui, je suis bête. J'avoue, c'est pas le détail qu'on remarque le plus. J'ai envoyé Petre plus loin. Ah bah voilà, vous avez peut-être la trouver un peu plus loin. Par contre, si vous l'appelez, n'hésitez pas à bien vous écarter parce que parfois, ils nous foncent dedans après, ils sont tout foufous. Ah bah oui, c'est vrai. Et bon, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, Bobby, effectivement. Et bon, oui, surtout quand il y a des shérifs dans le coin, ils aiment pas bien ça. Oui, je me doute. Ok, bon bah écoutez, je vais faire ça. Merci beaucoup, c'est gentil, je vais la regarder. Et votre ici, on se recroisera sûrement de toute façon. Ah faut pas acheter du foin. Oh non, le foin, on peut le trouver, hein. Ah ici je sais même pas. Je pense qu'ici on doit en avoir peut-être à l'intérieur, attendez. Ah bah tiens, je suis curieuse de savoir aussi. Le foin c'est toujours gratuit, attendez. Ah bon, parce que le foin... Alors les carottes non, mais le foin normalement ça se trouve. Ah bon? Hop. Il y en a à Valentine aussi. Ici non. Hmm.
Je me demande si on doit pouvoir en trouver, attendez. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps, mais pas ici. Peut-être l'or. Non. Je vais voir derrière. Là-bas, il y a du foin. Il y a des citrouilles partout, regardez, il y a des décos. Ah, peut-être là. Ah, c'est ici. J'ai trouvé, c'est là-bas. Ce que je vous... Ah, vous avez trouvé ? Oui, alors c'est pas toutes les bottes, parce qu'il y en a certaines qui sont pas fraîches. Mais c'est ici, il faut se mettre bien comme il faut, pour la récolter facilement. Et puis hop. Vous vous mettez contre. Alors c'est pas rapide, hein, mais bon, au moins... C'est génial. Mais oui, parce que bon... Et avec ça, je peux nourrir Bobby ? Tout à fait. Oui. Et ça fait comme les carottes, hein. Ils sont tout aussi contents. Oui. Oui. Mais c'est incroyable, je savais pas. Il y en a un peu dans toutes les villes, alors parfois faut chercher un petit peu, hein. Mais C'est génial. Parfois c'est à l'intérieur des enclos, faut un petit peu chercher. Oui, voilà, parfois c'est même dans les box. Astroberry, c'est dans les box, oui. Ah, je savais pas. Donc voilà. Ah, mais c'est incroyable. On a une visite des marchés hier après-midi. C'est mignonne. Et voilà. Il en faut combien, vous pensez, pour Bobby? Vous en prenez 3-4 sur vous, mais c'est tout. De ça, en général, il n'y a pas besoin de les nourrir très souvent. Hein. Si vous êtes tout seul dessus, ça va. Si à moins que vous fassiez du galop beaucoup, ça va. Mais bon, vu qu'on peut en trouver du gratuit à chaque ville, on en prend une petite... Je savais vraiment pas, merci. Je vous conseille de vous acheter un petit sac pour Bobby, pour le mettre dessus. Ah ça coûte $5. Oui. Et vous en stockez un petit peu sur lui, comme ça vous avez toujours. Mais oui, c'est pour ça qu'elle a mis 50 centimes tout à l'heure. Elle commence. On est super sympa. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Hein. C'était vraiment des initiales. Ah, c'est très. C'est beau le don de soi. C'est altruisme, c'est beau, hein. Merci. Ah oui. Vous êtes nouvelle dans le coin ? Oui, j'ai dormi 6 fois. D'accord. Ah bah moi j'ai dormi depuis 6 fois. Ça fait 6 jours que je dors, moi. Oui. Ah oui. Oui, moi j'ai pas été beaucoup présente cette semaine aussi, j'ai eu pas mal de choses à faire. Ah d'accord. Oh la lanterne. Oui, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie, hein, c'est vraiment gentil. Bah pas de soucis. Est-ce que vous voulez nos télégrammes si vous avez un petit besoin de quelque chose au cas où ? Parce que bon, je sais que quand on arrive, on n'a pas toujours bien des contacts. C'est vrai. Et puis si vous croisez quelqu'un de talentueux ou que vous avez envie d'essayer des choses. Ah bah oui, c'est pas bête. Comme le théâtre ou autre chose. Ouais, c'est pas bête ça. Alors, du coup, je vais prendre une note. Ça marche, moi aussi. Je fais dans ma tête Madame Denise Duval. Denise Duval, tout à fait. Et mon télégramme, c'est. Je vous écoute. F comme femme, Q256. D'accord. FQ256. Voilà. FQ. Tout à fait. D'accord. Moi, c'est Jen McFly. Et c'est très bien. Alors, moi, c'est QA. C'est comme quand on fait QA. Voilà. Et après, c'est 268. QA268. QA268. QA. QA. C'est avec le cul comme les fesses. Oui. Comme Mary. Et parfait. Comme le cul d'Anise. Comme le cul de la femme. Et c'est ça. C'est exactement ça. Et vous, monsieur Fauré ? Moi, c'est super sympa. 998. SS998. C'est ça. Hop là, nouvelle, je vais mettre. Oh bah c'est incroyable, merci beaucoup, c'est vraiment gentil à vous. Bah y a pas de soucis. Bon, avec plaisir, hein. On est souvent dans le coin de toute façon, donc on va sûrement se croiser, mais comme ça au cas où, on peut être toujours pratique. Oui. Oh bah oui, ça c'est sûr. Et puis bah voilà, c'est toujours bien d'avoir des gens dans l'entourage qui sont aussi motivés pour le théâtre. Nous, ça nous aidera quand on l'ouvrira, etc. Ça pourrait être c'est toujours pratique pour nous de se faire des contacts. Ah oui, puis même pour venir voir aussi, des fois, c'est bien aussi. Tout à fait. C'est toujours bien quand il y a un public, du coup. Bah, c'est vrai que sinon, ça résonne beaucoup. Bah oui. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Et donc là, on va éviter. Vous l'avez déjà vu, le théâtre ? Non, jamais. Ah bah, on peut vous montrer, si vous voulez.
je suis passé devant, mais c'est fermé. Mais non, même pas regardé. Mais non, regardez donc. On vous fait une visite comme si on était propriétaire. Exactement. Bon, c'est tout comme, hein. C'est quasiment signé. C'est parti, hein. Bon, c'est signé, mais le maire, il ne sait pas encore, quoi. Ouais, voilà, c'est... Pff, c'est des formalités. Payé, c'est juste qu'on n'a pas donné encore l'argent, c'est tout. Voilà, et on n'a pas encore pris les clés. Exactement. Mais sinon... Sinon, vous avez déjà les sous? Oui, bah, ça va être surtout des taxes, plus que... Voilà, ça va être surtout ça, donc il faudra qu'on fasse des spectacles un peu régulièrement, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Bonsoir, messieurs. Ouf, ouf. Bonsoir. 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 Oh. Ils se font dans la masse, le cheval, j'ai presque pas vu. Ah, il est beau, hein. Il est sage. Hein. Oui, ils sont sages. Ceux-là, ils sont bien quand ils sont sages, comme ça. Au bout d'un moment, le vôtre, il deviendra sage aussi, normalement. Oui. Ah bah, j'espère. Parce qu'à chaque fois que je vais l'entraîner, moi, quand je l'emmène à l'entraînement, il fonce dans tous les murs et du coup, je peux pas l'entraîner. Oui, c'est pas facile. C'est embêtant. Oh bah tiens, une future cliente. Bonjour. Bonjour madame. Attention. On y va. Je vous ici. Ah pardon, je t'ai pris la place. Ils sont pas encore d'actualité, madame. Ah non, non. Apparemment, non. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Oui, c'est plus un cinématographe, mais il y aura de quoi faire déjà. C'est incroyable. Ce sera très chouette pour jouer proche du public. C'est ça. Il peut y avoir tellement de gens. Ah tiens, ça fait... Vous vous rendez compte ? Il pourrait y avoir toute la ville, ce serait beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut y avoir au moins 20 personnes, facile. Ouh oui, au moins, oui. Oui, oui, oui. Ah, oh. Peut-être bien. Être bien, oui. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. Ah, là, ça, ouais, c'est très luxueux, hein. Oui. Même j'ai même pas essayé les chaises. Ah, voilà. Ah, oui, on est plutôt bien, hein. Elles sont confortables. Ah bah plutôt, hein. Elles sont un petit peu poussiéreuses, mais les sièges, ouais. c'est pas de la gnognotte. Ça me plaît bien. Un coup de ménage et c'est parti. Oui, voilà. Ça, on s'occupera de ça après, ça c'est vraiment un détail, un détail. Tu racontes rien du tout. C'est bon. Mais du coup, c'est le seul truc qui est dommage, c'est pour les pièces de théâtre. Oui, c'est un peu... Celui de Saint-Denis est incroyable pour ça, mais bon. Oui. Mais je pense que si... Après, je pense qu'on pourra voir avec lui pour faire... Oui, pour faire des spectacles. Oui, parce qu'apparemment, lui, on nous a dit qu'il était, ouvert à plein de partenariats, tout ça. Donc, si on a envie de faire un spectacle là-bas, bah, finalement, je pense qu'on pourra juste voir pour, pour un petit... Surtout que ça nous fera plus de publicité et tout ça. Et puis, plus de 60 places. Ah, d'accord. 60 places ? Ça, ce serait vraiment incroyable. 5 ? Qu'on puisse enfin faire un petit peu de culture dans ce monde où les gens ne cherchent qu'à se tuer. Mais oui, tout à fait. Et puis Blackwater, c'est une ville très sympa. Moi, ça me fait plaisir d'amener des gens ici un petit peu. Ben oui. Oui, c'est bien. Vous avez raison. Faut faire découvrir. Surtout que s'il y a des gens qui viennent de Saint-Denis ou qui veulent y aller, ou voilà, enfin, si on fait des petites choses avec eux, eh bien, il y a celui qui a la société de transport, là. Il a dit que c'était gratuit pour tous ceux qui partent de Blackwater ou de Saint-Denis. C'est gratuit. Ah oui ? Et qui viennent à Blackwater, en tout cas, qui vont Saint-Denis-Blackwater, ce sera gratuit aussi pour eux. Mais ça, c'est incroyable. Donc, il faudra voir avec eux aussi pour les soirs où il y aura des choses. Comme ça, C'est pas Monsieur Bennett ou quelque chose comme ça ? Non, Bennett, je crois que c'est le troubadour. Ah oui ? Je crois. C'était... Moi, j'avais en tête Scarnwild, mais... Oula. Ou apparemment même, c'était une baleine ou je sais plus quoi, sa société. Son logo de sa société. Une baleine ? Et oui, parce que c'est pas pareil, c'est écrit pas pareil, mais c'est une baleine, quoi. Ça veut dire baleine. Monsieur Scar. Faudrait que je fasse du ménage dans les papiers dans ma tête. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai pas... Des fois, j'ai des numéros tout seul, comme ça. C'est embêtant. Enfin, voilà. Mais il faut souvent savoir qu'il est ouvert, celui-là. Sinon, nous, on le savait pas. Ah, mais moi, je suis jamais venue. Ah, plus de petites places ici. Oui, il est sympa. Avec le sol moelleux là. Oui. Ah bah ça me fera une différence de dormir dehors. Oh, c'est vrai, hein. C'est sûr. Hein. Oh. Eh bah merci beaucoup pour la visite. Hein. Bah pas de soucis. Oh,
moi, c'est fort, fort aimable et c'était fort agréable. Et ben avec plaisir, et puis bah bon courage en tout cas pour la suite, et puis on se recroisera très certainement bientôt, je pense. Ah bah oui, vraiment, c'est un plaisir. Je vais aller chasser un... Puis comme ça, dès que j'ai un peu de sous, ce sera avec grand plaisir, je vous offre un petit truc à boire au saloon. Oh, bah comme c'est ah bah mignon, super. Merci beaucoup. Bah, on se fait ça bientôt alors. Hey, avec grand plaisir. Hein. Allez. Et j'espère que vous allez trouver des talents. Ah bah oui. Ah bah oui. On recroise beaucoup les mêmes en ce moment. Oui, pour l'instant, c'est toujours le même talent. C'est toujours le même talent. Les troubadours, là, ça fait 3 fois qu'on les recrute. Bon, au bout d'un moment, ça... C'est ça. Ils changent de costume, mais c'est toujours le même. Donc on va... Voilà qu'on en trouve d'autres, quoi. Ah bah oui, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Oh là, ça y est, j'ai un talent », et puis ils vont essayer. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent roter Happy Birthday et tout, oui. Ça, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Bah, bizarrement, ça nous donne moins envie. Ah oui, il faut que ce soit quelque chose de attractif, de... Bah, non, si, on pouvait, si ça peut éviter les gaz corporels, c'est quand même mieux. C'est, voilà, vraiment, c'est un peu notre limitation. C'est surtout ça. Oui, bah, sinon, on est ouvert, hein, mais juste ça, ce serait bien. D'accord. Ah bah écoutez, si j'arrive à écrire des poèmes et que je fais moins de fautes, je vous montrerai. Oh bien sûr, avec plaisir. Après, il faut voir si... De la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Eh oui, après, il faut savoir si je peux parler devant plein de gens aussi. Hein. Ah oui, ça peut être angoissant, ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si on peut regardez, le vent sur mon des truc. Fois, ça peut être bien. Oui, bah de toute façon, ah, oui, complètement. Et bah ça marche, bah on fera ça alors. Ah oui, c'est chouette, ça c'est chouette. Eh bah en tout cas, bonne chasse à oui, vous. Oui, bonne chasse à Miss, et puis à bientôt. Ah, ce fut vraiment un plaisir de passer on n'arrive pas à partir. Une excellente soirée, messieurs, dames. Puis, merci, toi aussi. Prenez soin de vous. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Et ciao. Au revoir. Au revoir. Oh. Hop là. Bon, une affaire qui roule, toujours. Oui, hein. Oui. Ça roule, mais bon, ça n'avance pas. Mais ça roule. Ça n'avance pas, ça c'est... Mais au moins, on fait des choses, un petit peu. Exactement. Comme par exemple là, on avance, mais on ne sait pas vraiment où. Mais au moins, on n'est pas dans le noir, on a une lumière. Bah c'est qu'en fait, moi j'aime bien cette ambiance là. C'est ça. Sauf qu'en tant que chercheur de talent, artiste, cette ambiance peut nous inspirer. Exactement. Et puis, est-ce qu'au fond, chercheur de talent, c'est pas justement chercher? C'est vrai. Et est-ce qu'on n'est pas exactement occupé de chercher? Ah bah là on cherche. Là on cherche. Bon, on cherche d'ailleurs ce qu'on... Vers où ce on qu'on va. Cherche. On cherche ce qu'on cherche. Hop, on peut tourner. Ça déjà, on a trouvé qu'on pouvait tourner. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement prendre un cheval? Oh, pour chercher, mais encore plus vite. Ça, ce serait déjà pas mal. Oui, bah on va chercher à sortir de la ville. Est-ce que vous voulez... Alors, attendez. Oh. Est-ce que je... Vous pensez qu'on va se faire ruiner par le théâtre? Non, je pense pas en fait. Parce non, que j'aurais bien acheté une petite calèche. Bah tout dépend de laquelle, encore une fois. Parce que je pense que les petites à deux places, ça peut peut-être aller, mais une grande, je pense que niveau investissement, ça va être cher. Ah oui, non. Bon, mais bon. Mais une petite sympa, quoi. Une petite à personnaliser un petit peu. Une petite fancy. Alors c'est où? D'abord. Alors attendez, je vais chercher quoi? Ça va. Je vais regarder un petit peu moi aussi. Mais je ferai un peu des sous moi pour le théâtre. Et puis il y a des cartes à collectionner. Hein. Moi je veux lui en parler aussi. Parce qu'ils ont dit sur le Didi, il y avait des cartes à collectionner à vendre en RP. À Guarma. J'ai pas regardé la carte. Est-ce qu'elle a changé? Non, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de petits points, un petit peu en surbrillance, quelque part. Non. Entendez-vous du ouf, hein? Boutique de calèche et de black voiture. Acheter une calèche.
Ah oui, il y a des diligences. Oh, oh, c'est beau ça. Regardez les diligences. Il y a plein de trucs super, hein, mais bon. Les diligences, j'adorerais, mais vous avez vu le prix que ça coûte. Ouais, c'est vrai que c'est très cher. Faudra qu'on se fasse se financer par des barons de la drogue. Hein. Oui. Oh, si on leur fait un petit spectacle. C'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petites calèches. Ah, c'est déjà un peu plus abordable. Oh, il y en a des jolies. Bah, j'aime encore bien le petit chariot numéro 1. Je trouve qu'il est rigolo. Tu peux trouver le chariot numéro 1. Il fait partie de quelle catégorie, chariot numéro 1? Bah, les petites, les toutes petites. Toutes petites, ah oui, c'est toute première. Oui, ils sont chouettes. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont tous au même prix, ceux-là. Oui, ça, ça va. C'est vrai que le petit chariot numéro 1, il est bien. Calèche de camp. Ah oui, d'accord, c'est ça qu'ils avaient. D'accord. Autrement, celui que j'aurais bien aimé, c'est la diligence numéro 6. On dirait une petite voiture moderne. C'est assez drôle. Ah oui. Ah oui, c'est chouette. Je regarde un petit peu toutes. Oh. On a des grandes. La supérieure. Oh. Mais c'est vrai qu'elles sont jouettes. Mais ça, c'est quand on fera fortune. Après, il y a celle de cirque. Où on pourrait ranger les artistes dans la cage. Ça, ce serait pas mal. Et on pourrait les balader de force de ville en ville. Voilà. Ils feraient des spectacles littéralement itinérants. C'est-à-dire qu'ils feraient des spectacles pendant qu'on avancerait. C'est ça. Et on appellerait ça rire et chanson parce qu'ils chanteraient et qu'ils feraient rire pendant qu'on conduit. Oui, ils seraient obligés de chanter. Puis nous, ça nous ferait bien rire. Oui. Bon, qu'est-ce que je fais? Cette petite calèche, let's go? Bah, si tu as envie et que ça va pas te ruiner. Ouais. Bon, je sais que ça te trotte depuis un moment. Ouais, puis j'en voulais une pour moi, pour faire des trucs, mais déjà, c'est hors de prix. Donc ça va prendre 6 mois et ça va me sauver. Faut vraiment qu'on fasse fortune, quoi, là. Ça... Donc là, maintenant, on va se donner un style. Directement, parce que, bon. Moi, j'ai essayé un petit peu de pêcher il y a quelques jours, mais... Ah, les cannes, hein, les nouvelles cannes, là, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, j'en ai eu mal aux mains. C'est horrible. On serait mieux en chasse, à la limite. Oui, bon, j'ai cherché un peu d'or. Ça a été. Ah oui. Ça, c'était pas trop mal. Bon, je suis encore sur une hésitation. Hein. Entre ah oui, le chariot 1, ah, petit chariot 1 et petit chariot 3. Parce que le chariot 3, il est couvert. Ah, mais je me demande si, quand ils sont couverts... Ah, attends, oui. Regardez. Là, alors, chariot 1 ou chariot 3? Ah, Isaac, il est beau le 3. Lequel va mieux avec tartiflette? Ah, bah, tartiflette. Ce sera probablement pas de tartiflette là, du coup. Oui, c'est vrai. Parce que certains, on dirait. Ah, oui, non, le 1, de toute façon, il n'est pas couvert du tout. Parce que je sais que certains. Je crois qu'on peut enlever parfois la couverture qu'il y a au-dessus ou quelque chose comme ça. Ah. Certains, on voit que. On rajoute le drap ou on l'enlève comme on veut, pour certains. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est vrai qu'il est un petit peu plus classieux, je dirais, parce qu'en plus, il y a des petites lumières des côtés. Il est un petit peu plus large, oui. Un petit peu plus large, un petit peu plus classieux. Donc, je dirais qu'il fait plus à. Il fait plus comme quand on fume la pipe. Bon, allez, 1, 2, 3, à déjà. 1, 2, 3, à déjà. Je vais donc lui ajouter un nom. Ah, on peut nommer sa calèche. J'entends des bruits pas naturellement. Des fois, on entend des. Tu viens que tu croises dans la rue et qu'il te tire le crachoir disant. Mais non, mais c'est que la petite en fait. La chariote du diable, mais ça va pas.
Il faut lui donner un nom. La charrette du diable. En un mot. En un mot. Ah bah c'est avec diable, bon, c'est peut-être moins. C'est peut-être moins de. Ça c'est important. Parce que moi pour mon cheval j'ai pas réfléchi et puis au final bah en fait je l'appelle jamais comme son nom. Oui c'est ça. Alors... Adieu. L'important c'est le style. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Faut trouver quelque chose dans cet esprit. Oui au niveau du style. Du style. Le style mobile. Style mobile. Ouais, allez. J'ai l'impression que tu vas regretter après. Oh, vous savez, y a pas grand chose dans la vie que je regrette. Alors, la style mobile. La Playmobil. Oui. Si on joue avec, c'est la Playmobil. Je lui ai dit. Mais oui, non, mais c'est que la petite, en fait, elle était, voilà, elle était dans l'excès de, on va dire, de courtoisie. Mais ce qui était très rigolo, en vrai. Hein. La Steel Mobile. La Steel Mobile. Ah, ce que j'aime bien, c'est que ça rime. Steel Mobile. Oh, customisation de calèche. Oh, alors ça. On est parti pour 2 heures. Oui, c'est ça. Ben non, peut-être pas, en fait. Y a aucun composant d'accessoire. Ah, c'est dommage ça. Ah, des livrets. Ah c'était oui, on peut mettre y a des couleurs quand même. Alors, y a des petits liserés très légers de couleur mais qui coûtent 10 balles. Que ah, je oui, mettrai peut-être un jour, n'est-ce pas? Oui, parce que ça on peut le faire quand on veut, c'est pas au moment de l'achat. La teinture. Oh, c'est incroyable, ça peut être blanc, ça peut être bleu, ça peut être jaune, oh. Ça peut être vert, c'est incroyable. Ah, moi j'ai envie de dire qu'il faut que tu fasses quelque chose à ton image. C'est vrai. Il faudrait que ce soit criard. Tout à fait. Mais stylé. Bon, moi, je pense que je vais aller rapidement me changer parce que je me suis rendu compte que la Frida est habillée comme moi et ça m'énerve. Oui. C'est un truc de femme, ça, on dirait, ça. Bon, disons que, oui, oh, si c'était habillé comme Daphné, ça me dérange moins, mais pas comme la Frida. Vous allez vous racheter des vêtements ou vous allez changer de vêtements? Pour savoir où est-ce que je vous rejoins. Je pense que je vais me racheter au moins un manteau. D'accord, je vous rejoins là-bas alors. Et bah très bien. Avec le truc. Eh bien, à tantôt. À tantôt. Oula, on aurait pas dû taper ici, désolé. Tu as son image, je sens roux vu qu'il est chanson en chaussures. Ouais, non, mais je risque d'être confondu avec Frida et moi ça me plaît pas, moi. Non, mais cette ambiance, regardez-moi ça là. C'est pas ça que je vais faire du tout, je vais faire G, mais c'est à côté. Ah, mes bottes! Oh, mais les bottes que j'ai en vrai! Oh, dis donc! Une calèche en feu! Bonjour, monsieur! Juste mon petit arc. Oh bah. Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Mais si. Oh, elle est incroyable. Incroyable. Elle est toute seule, mais incroyable. C'est vrai qu'il y a de la poussière déjà. J'arrive pas à comprendre, mais oui. Mais je pense qu'il faudrait que je m'achète un petit marteau de réparation.
Waouh. Ah, c'est un marteau? Oui, mais je pense que je peux trouver ça au General Store. Oh, c'est très beau. Oh, je verrai, je me changerai plus tard, j'ai envie de faire un tour maintenant. Waouh. Oh, c'est tout de suite, on en impose. Oh, on peut faire... Ah, ben oui. Attention, il y a de l'eau. Hein. Bip. Oui, il faut prévenir, oui. Pour le pencher vers l'avant, moi. Ah oui, apparemment. Mais c'est la première fois que je monte comme ça, je suis pas rassuré tout de suite. Oh, faudrait que je monte en fumant la pipe. Ce serait très classe. Ah, oh, ce serait classe, dans la style mobile. Je vais m'arrêter une seconde ici. J'arrive. Wow. Je vais prendre le petit marteau. Il est où le marteau? Il est au General Store. General Store. Moi, je vais boire de l'eau. On est avec Frida dans une ruelle de Blackwater. Paf! Un accident et hop, plus de soucis. Mince, elle a perdu son manteau. On va lui péter sa gueule à Frida, là. Merde. Putain. Elle est même femme que moi, là. Vas-y, là. Ah, vous êtes là. Oui, j'ai bu de l'eau. Ah oui. Attendez. Oh. On dirait quelqu'un gueule sale pour grand. Augmenter le volume de ma voix. Oui. Voilà. Comme ça, les gens nous entendent. Ah, ça, c'est important. Je vais parler plus fort aussi. Exactement. Ah, c'est pas J. Allons inaugurer cette petite calèche. Waouh. Oh, tout de suite, on va nous remarquer. Exactement. Tout à fait. Bonjour, les gars. Oui. Vous n'avez pas le style. Le style. De la mobile. Style mobile. Donc le cheval est fourni avec. Exactement. Alors de ce que j'ai entendu, je sais pas qui c'est qui les dresse, ces chevaux. Ils sont infatigables. Oh! Ah oui! Ah, tout de suite, ça devient intéressant. Attention, chien! Oh, attention! Ouais, c'est hyper mobile! Ah oui? Ah, c'est une petite, c'est pour ça. Incroyable. Ça se conduit vite. Oh, incroyable. Où est-ce qu'on irait ? J'ai appris qu'il y avait des cartes à collectionner dans la région maintenant, mais je sais pas où on les trouve. Ah. Oui, j'ai appris ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on a toute une collection, on peut les revendre à Guarma assez cher. C'est ça surtout qui m'intéresse. Ah bah oui. Parce que comme ça, on n'aurait pas à travailler, on aurait juste à trouver des cartes. Mais je sais pas comment on en sait plus. Ah. Voilà. Est-ce que j'ai appris ça. Que c'est... D'accord. Alors moi j'ai bien une idée parce qu'il il s'avère que j'ai entendu parler que dans que des temps lointains, il y avait des cartes à trouver un peu partout. Et oui. Un peu partout dans le pays. Mm-hmm. À la base, les gens la revendaient à une gitane. Ah. Un truc comme ça, il me semble. Mais je pense qu'elles ont été déplacées depuis. Ah, vous pensez. Bah, disons que sinon, ce serait peut-être un peu facile. Parce que si c'est ça, je sais exactement où est-ce qu'elles sont. Ah bah, ça serait peut-être intéressant de voir un de ces endroits-là. Il me semble que j'en ai... qu'il y en avait peut-être à Strawberry, je crois. Ah, à Strawberry. Je sais plus. On est à Blackwater. Je vous avoue, on a fait un petit tour. J'ai même pas remarqué. Ouais, on fait. On fait comme d'hab, mais plus à pied, en calèche. C'est bien. Un bison. Là. Oh oui. Ah, mais moi j'ai qu'un arc. Bah, il paraît qu'on sait les tuer à l'arc. Ah oui. On peut essayer, hein. Mais ça se revend bien le bison au moins. Il me semble, oui. Et moi, il y a un loup aussi. Bien. Moi, je suis des espèces de... Ah non, c'est des... Ah oui, d'accord. Ah, nous autres... En même temps, on n'est pas très discret. Oui, j'ai essayé de baisser un peu la tête dans mes épaules, mais oui, vraiment, c'est pas suffisant. Moi aussi. Je suis aplati, mais... Ah, il y a des bisons jusqu'à Blackwater, je savais pas ça. Ah oui, il y en a ici, toujours dans les plaines. Enfin, toujours. De temps en temps. Alors... Où est-ce qu'on pourrait aller? Je vais regarder un petit peu sur la carte. Est-ce qu'on irait pas demander peut-être à des gens du côté de... d'Armadillo, je sais pas quoi.
Ah oui. Si c'est un truc avec Guarma, ils vont savoir ça, je suppose, non? Ah bah peut-être, je sais pas du tout. Ça c'est vrai que je sais pas à quel point ils sont au courant de ces choses-là ou pas. Mais effectivement, on peut demander. Je regarde un petit peu. Je suis plus très certain de mon chemin, mais. Là. Ah, si, c'est pas trop mal là. Faudra tourner à droite. Quand tu pourras. Je peux. Ah, c'est vrai que ça se conduit bien ça. Bah oui. Et ça peut se casser. Et là encore, je vais pas. Si par exemple maintenant, la toute vitesse. Oui, ça peut se casser. Si on fait des trucs un peu bizarres, on peut perdre une roue, je pense. C'est que je pense qu'il faudra faire attention avec d'éventuels chevaux qui arriveront en face, surtout ça. Oui. Mais ça va vite quand même. Ben ça va hyper vite et puis. Ben là, bon, le pauvre, je lui fais le cul en boucle, mais. Mais c'est à dire qu'il est jamais fatigué quoi. Oui, c'est fou. Ben, je pense qu'il a de la corne sur le cul comme moi sous les pieds. J'ai l'impression que je vais pencher tellement. Oui, par contre, j'ai un peu peur de ça aussi. J'ai pas trop l'habitude. Ça expliquerait pourquoi j'en croise des fois des petits chariots comme ça qui sont retournés. Bon, bah, je comprends mieux comment ça se passe. Oui, je commence à comprendre aussi. Alors, attendez, Général Commu, qui en parle? En tout cas, c'est bien. Alors, je pense qu'il y a pas mal de chevaux timides aussi, alors faut faire un peu attention sur les routes. Ah! C'est normal, hein, c'est bientôt la fête des morts. Il y a des fantômes des chevaux qui viennent. C'est vrai. Je suis pas sûr d'où je vais. Ah, je vais regarder. Il me semble que c'est bien. Le tour de ce caillou là. C'est bien, c'est bien. Ah, ou traverser l'eau peut-être. Non, là, oui, il faut traverser l'eau. Ok, go. Alors, je regarde un petit peu. S'il parle du côté. Il y a plus d'infos. J'ai déjà mis 5 minutes à trouver le truc. Dans type ces tutos peut-être. Non. Tout ça, j'ai l'air de chercher un de leurs frères disparus. Tour gratuit. Ah oui. Oula. Un truc là-bas. Ouais, il y a un loup ou des loups ou un cougar. Alors. Ah, mais d'accord. D'accord. Ah oui, j'ai eu une révélation. Ah oui. Concernant les cartes. Concernant les cartes, oui. Il me semble qu'on peut en acheter. Qu'on peut en tout cas en acheter et peut-être qu'on aura des informations et c'est à trois endroits. Il y a Saint-Denis, à Tumbleweed et à Strawberry. Donc c'est bien parce que là, on est au milieu de rien. De rien. Il de faut rien. Donc aller à Tumbleweed. Là, on est parti pour ça. Ah, c'est dommage. Et donc, du coup, on peut acheter une carte à Tumbleweed qui dit les cartes sont là. C'est ça? Alors, non, apparemment, on peut acheter des lots de cartes là-bas. Mais je me dis que si c'est là-bas qu'on peut acheter, on peut peut-être avoir des informations aussi sur où elles se trouvent, combien il y en a, tout ça, tout ça. Il faut rassembler des familles de cartes et c'est ça qui vaut des sous. C'est-à-dire que quand on a une famille, voilà, on peut revendre la famille en entier et ça fait des sous. C'est un jeu des sept familles, mais qu'on peut revendre à des voilà. Parents de la drogue. Donc, voilà, c'est une passion, hein. Oui. Oui. Y a pas de collection étrange, hein. Voilà, qui sommes-nous pour juger? Mais du coup, oui, c'est vrai que s'il y a des infos, ce sera, je pense, à ces endroits-là. Ce qui veut dire que quand il nous manque qu'une ou deux cartes, on peut acheter celle qui manque pour pouvoir faire la collection, quoi. J'imagine. Oh, oh là là. On
On a qu'à dire que je serais rapide et vous seriez furieuse. Ah oui, oui, moi je suis très furieuse. Et on serait connus comme ça. On est rapide et furieux. Rapide et furieuse, oui. J'ai appelé mon cheval, j'ai pas fait exprès. J'ai eu envie de siffler d'un coup. Waouh. Ça a failli être la fin de bijou. Je sais pas ce qui m'a pris. Faites attention, il y a un cheval. Oui. Bravo. Pour les... Bravo pour les skiffs, c'était... Une chance que je suis rapide dans ce dans notre duo. Oui, moi j'étais un peu trop furieuse. Oh merde. Encore des chevaux, mais arrêtez de laisser vos chevaux en plein milieu. Au moins ceux-là, on les voit. Il manque un petit klaxon, je trouve. J'ai essayé de siffler tout à l'heure, mais bon, bah, c'est pas une bonne idée. Quoi. Oui, toi, c'est un peu embêtant. Bon, regardez. Ils ont mis des citrouilles. Aïe. Et oui, il y en avait un petit peu aussi devant... Devant le saloon, tout à l'heure. Ils vont enterrer leur mort avec des citrouilles, c'est spécial comme truc. Oui, ça doit faire une soupe un peu bizarre. Ah bah il suffit qu'on a une calèche pour que les gens... Ah bah ça y est, bah on en croise partout maintenant. Oh les copiteurs. Ça me dégoûte. Bonjour. Quelle honte. Ah, hein, on dirait que j'ai roulé sur un truc. Oui, mais un truc qu'on n'a pas vu. Exactement. Ah mais c'est le festival de la calèche quoi. Je nous sens moins exceptionnels tout d'un coup. Bah oui c'est ça. Oh c'est joli ça. Ça fait peur mais c'est joli. Ah oh, oui. Pourquoi on a pas ça à Blackwater nous? Bah oui. Pourtant, bon, bah, du coup, Ah oui non. Bah du coup Dumbleweed. Dumbleweed on a oui. Rien à foutre ici. Oui c'est vrai et puis allez, en plus y'a personne. Pas personne. Un test. Non, je les ai mute avant que t'arrives. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir quand même. Et si il a répondu, on n'a pas entendu. C'est ça. Parce que bon, entre chercher des talents et chercher des cartes, finalement, il n'y a qu'un pas. Et comme ça, on pourrait faire les deux en même temps et se faire des sous comme ça. Bon, oui, ça me plairait exactement. Bien. Et bon, la et pêche... Puis, si on s'ennuie, on fera une belote. Oui. Oui, c'est bien ça. Ça manque d'un poké avec lui aussi. Hein. Oula. Oh, on pourra jouer au dé. Ah, oui. On pourra juste parier sur les dés, mais. Quoique, non, si je m'en achète un aussi, on peut vraiment faire un jeu de dés. On peut. Oula. Des fois, les roues elles sont tellement fines, j'ai peur. Oui, je suis pas très rassuré non plus. Je pense qu'au bout d'un on moment, va éviter les cailloux. Compris, mais oui. J'ai vraiment pris le chemin, comment dire, touristique. Ah, c'est vrai que ce qui vient, c'est qu'en plus de ne pas toujours savoir où on va, on prend toujours les meilleurs détours. Quand on sait enfin, on fait trois fois le tour du patelin avant de partir. Mais bon... Après, on visite pas beaucoup le désert, on fait qu'y passer. Oh! C'est vrai. Oh, ça y roule dessus aussi. Mais... Oui. J'en ai vendu une peau de serpent du désert là au Digwan. Ça vaut rien du tout. Mais non, mais tout vaut rien. Ça vaut 5 cents. Ça vaut le prix d'un appât. Un asticot vaut le même prix. Bah oui. Oh, quasiment. Quoique maintenant ils sont moins chers. Le problème. Ah oui, c'est vrai, il y a le cimetière ici, je me souviens. Oh, pour se raconter des histoires qui font peur. Faudra un petit feu au milieu. Mais vous savez, parfois je viens et puis j'enlève les mauvaises herbes, ben on trouve des trucs. Hein. Oui, mais après ça se revend. Ah oui, oui. Mmh. Monsieur Dubois, il rachète ça. Ah, c'est bon ça. Alors normalement, je pense que il y a moyen de le revendre plus cher à Guarma, mais. En faut y aller quoi. Oui, voilà. Pour deux colliers, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, puis s'il faut se faire braquer. Oui, puis s'il faut payer 5 taxes avant. Oui, c'est ça. S'il faut payer $400 au bout d'un moment, non merci. Bizarrement, j'ai l'impression que ça devient moins rentable. Exactement. Oh. D'accord, des charrettes partout, ok. Oui, mais ici, bon, c'est une ferme. Ça se comprend. C'est normal. Je suis moins surprise. Alors que voilà, Armadillo, on n'en voit jamais d'habitude.
Bon, moi qui suis folle, j'en avais jamais vu. Là, on en voit plein. Ouais, en plus, c'est la même, quoi, je veux dire. Oui. Non, mais je pense que le problème, c'est qu'on influence déjà trop les gens. Là, moi, j'avais une tenue, qu'est-ce qu'on voit ? Frida qui a la même. T'achètes une chariote, qu'est-ce qu'on voit ? Les gens qui ont la même. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je décide de pas mettre de chaussures. Non. Les gens, ils mettent des chaussures. Les gens, ils font exactement le contraire pour faire genre qu'ils sont pas influencés. Pour être, voilà, exactement. Pour avoir ce côté anticonformiste un petit peu, parce que bon, faut quand même avoir un petit côté anticonformiste. C'est un peu ridicule. Oui, bah tout ça pour ça. Au final, on voit bien qu'on influence. Pas complètement. Tu verras qu'on va voir des gens avec ton chapeau. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, en fait. Ça va être la fête des morts, ils vont mettre des crânes partout. Ah oui, comme de par hasard. On va aller dans la ville la plus accueillante de la région. C'est ça. La ville qui ressemble le moins à une ville de la région. Mais qui ressemble à une ville brûlée. Ah, j'ai encore tué quelque chose d'invisible. Je crois qu'il y a des chevaux qui se prennent des chariots. Je suis bien content d'être en chariot. Oui, ah, on gagne le duel. Et monsieur Dubois, non ? Monsieur Dubois ? Mip, mip. Bonjour. 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 Ah bah y'a l'homme de fenêtre, tout ça. Mais c'est pas monsieur Dubois. Comment vous allez ? Ça va et vous ? Ça va. On vient se renseigner sur les cartes. Bah j'en ai acheté une, mais j'ai vraiment aucune idée à quoi ça sert. Pour en collectionner, faut en avoir 7. C'est au niveau de... C'est au niveau allez, Miss Daphné. De la petite... Du bal ? Ça fait. Ah, ça vous change. Oui, c'est ma tenue de chercheuse de talent. C'est pas mal. Ah, normalement, j'ai le manteau, mais j'ai vu que Frida avait le même, alors j'ai enlevé. Et ça, c'est le manteau, ça. Ah oui, vous êtes flamboyante. Ah, merci. Oui, parce qu'il faut que, voilà, il faut qu'on montre qu'on a du style. On est une fine équipe. Oui. Regardez, j'ai acheté une calèche. Tout à fait. On est au top du style. Elle est juste là. Ah oui, elle est pas mal. Bon, par contre, elle s'allie vite. Un petit peu crade, mais oui. Oui, c'est ça le problème. C'est que bon, les couleurs, on les voit déjà plus. Et vous, ça va, Miss Prosper, vous avez pas voulu changer de... J'ai pas vraiment eu le temps. Je vais le faire après. Vous nous excusez, 2 secondes. Oui, on était en conversation... Pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Ah, mais y'a pas de problème. Et hop. Hop, on nous vire déjà. Mais du coup, c'est... Mais vous êtes blessé ? Ah oui, non, c'est juste... Enfin, oui, je suis blessé, mais j'ai pris de la morphine, j'ai pas mal, j'ai juste le bras engourdi. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait mâchouiller par un puma au-dessus d'Annesburg. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que vous foutez à Annesburg ? Je cherchais quelqu'un, j'y suis pas allé de mon plein gré, croyez-moi. Ah oui, d'accord, je comprends. En même temps, qui va à Annesburg de son plein gré Ah, c'est vrai que j'y suis allé deux fois, ça. Et à chaque fois, je suis reparti vite, hein. En plus, je vous avoue que... C'est vraiment une soirée exceptionnelle. Je me suis fait mâchouiller. Oui. Un shérif m'a dit est-ce que je peux vous ramener si vous voulez jusqu'à la gare de Saint-Denis pour que ce soit moins compliqué de rentrer. Ah bah c'est sympa. J'ai dit bah oui, c'est sympa. Et sur le trajet, il m'a dit ah, mais vous savez que j'ai entendu des rumeurs comme quoi vous trompez votre compagnon. J'ai fait bah, quoi super. Ah oui, d'accord. Ah mais les gens, mais comment ça parle? Ça poucave complètement là. Mais surtout, il dit n'importe quoi. À Annesburg, lui, je me suis dit mais attendez, d'Annesburg, vous avez entendu des rumeurs sur moi au niveau style? Ah, ça parle sur vous à Annesburg, c'est bon à savoir. C'est incroyable. Alors, je pense que vous y foutez jamais les pieds. Les gens, c'est ça, ils vous ont jamais vu là-bas. Mais ils disent oui. C'est là. Ah ben, je te raconte pas la catin quoi. Bonjour. C'est ça. J'ai vu un concitoyen qui me reniflait tout à l'heure, c'est sûr, lui aussi il a entendu la rumeur. Hein. Ah, mais d'accord! Ah, bah super! Ah, maintenant vous allez recevoir des télégrammes encore plus bizarres. Télégrammes inconnus. Mais ça c'est. Oh, voilà. ça va d'ailleurs depuis toutes ces histoires. Avec Pacifique? Ah, c'était Pacifique? C'est moi qui lui ai envoyé des télégrammes inconnus, moi j'ai jamais reçu. Ah oui! Ah, vous en avez envoyé à Pacifique? Ah voilà, j'étais sur autre chose moi. Oui, j'ai envoyé des télégrammes pour lui dire mais oui, que vous m'avez dit. Complot contre lui, voilà. Et alors, ça a marché? Oh oui, ah bah il est complètement fou, oui, ça a marché. C'est vrai qu'en fait, il doit partir au quart de tour, lui. Oui, oui. Ah bah la dernière fois que je l'ai vu... Ah, c'est le quoi?
Hier, il m'a traité de complice du gouvernement parce que il y avait des robots, des petits automates dans les vaccins contre le choléra. Ah oui, d'accord. Voilà. Je suis une complice du gouvernement. Ah bah oui, parce que vous êtes médecin, donc forcément. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal quand même. Je sais pas ce qu'il prend, mais c'est violent. Ah bah croyez-le ou non, mais il a arrêté l'opium, c'est fou. Non mais c'est mis à autre chose. Surveillez vos doses de morphine quand même. Oui, c'est ça. Oui. Si je le vois marcher comme vous, je saurais. C'est vrai. Et du coup, vous faites quoi? Vous avez fait quoi pendant le restant de la soirée? Ah bah écoutez, on n'est pas arrivé il y a si longtemps. Ah, vous venez de vous réveiller? Non, bah pas tout de suite, pas tout à fait, mais on a passé beaucoup de temps à Blackberry, on a vu des pirates. Ah, Blackberry, oui, excusez-moi. Des pirates qui chantent et qui dansent. Oui, des pirates qui chantent et qui dansent et qui nous ont fait un beau spectacle. Excusez-moi, messieurs, dames. Tumbleweed vous entend parler, je pense. Ah, pardon. Je vais mettre moins fort. C'est pas moi, hein. Parlez moins fort, alors. On va faire comme ça. C'était pas les Strawberry Freeze? Je pense pas. Aucune idée. Enfin, là, ils sont présentés comme des pirates. Je sais pas comment ils se présentent d'habitude. Ah, salut, c'était trois ou pas? Ah non, il y avait toute une tripotée. Mince. Il y avait toute une tripotée et j'ai reconnu qu'il y avait Madame Frida avec. Et j'ai entendu la voix du petit Capri. Bah oui, il y avait Monsieur Capri, j'ai l'impression. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Capri. Et il y avait une petite qui était la capitaine. Et ils ont commencé à dire au salon qu'ils voulaient boire. Et puis après, ils ont fait un spectacle. Et le spectacle était très chouette. Vraiment, là, par contre, je ne m'attendais pas à ça. Je jurerais pas, mais je me demande si la petite capitaine, ce serait pas la fille de Monsieur Duke. Bah, c'est ça ce que j'allais dire. Ah, j'ai jamais rencontré. C'était pas Lilia, la fille? Bah, je l'ai jamais rencontré. Alors, c'est possible. C'est une petite blonde. Ça le problème, c'est qu'elle était. Ils étaient tous déguisés en pirates, enfin habillés en pirates, avec un bateau qui était en fait une calèche, et voilà. De toute façon, en général, là où il y a Capo, il n'y a pas loin. Oh, bah, c'est bien possible que ce soit elle, oui. Et du coup, on est resté un long moment à regarder ça. Après, on a fait des rencontres, et puis après, on est venu là parce qu'on voulait se renseigner sur les cartes à collectionner. J'en ai acheté une sans faire exprès, ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Mais oui, mais comment on peut les trouver dans la nature ou on les trouve juste comme ça, voilà, c'est ça. Mais comment on sait combien elles valent, enfin leur valeur réelle? Alors en fait, je crois qu'elles valent rien tant qu'on n'a pas la famille. D'accord. C'est à chier. Et du coup, c'est par contre la famille qu'il faut revendre à Guarma. Bonjour. J'ai eu peur, j'écoute. Je peux comprendre que c'est la famille entière qu'il faut revendre à Guarma. C'est quoi ça? Un vendeur de cartes. Ah d'accord, une carte. Ah oui d'accord, non mais c'est très cher. Mais il y en a une autre. Et en plus on sait même pas laquelle c'est. Bah on en cherche en fait. On cherche les informations parce qu'on sait pas trop quoi. Voilà, on veut comprendre un petit peu le système. Ah d'accord, j'ai cru que vous aviez une information qu'il y avait pas. Ah bah non, je pense que vous avez plus d'informations que nous peut-être. Je ne sais pas. Déjà, une carte de tarot, ça a quelque chose à voir ça? Ah non, pas du tout, Seigneur. Et faites attention, là, si vous voulez lui acheter des cartes à Madame Irène, elle est prête à vous en vendre une, même si vous ne voulez pas, quand vous vous approchez trop près, parfois. Ah, c'est vrai? Oh, bah, je vais pas trop près, alors. Hein. Sur la table, ça s'appelle... Parce que là, sur moi, j'ai pas beaucoup, en plus, donc... ça peut vous coûter 10 dollars, même quand vous le voulez pas. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est chouette. Après, elle est vend par 10 à 70 dollars, sinon. Oui, j'ai vu ça. Bon, voilà, moi j'ai déjà fini mon envie de carte. Vous avez vos informations. C'est efficace. C'était super. C'est parfait. Mais c'était court et intense. Exactement. Merci le gouvernement. Mais est-ce que quelqu'un en a déjà trouvé Moi, il y en a acheté une sans faire, sans faire exprès. Madame Irène a réussi à m'en vendre une. Ah, elle est forte celle-là. Elle m'a convaincu. C'est ça. Elle m'a vendu la photo d'un peintre. Voilà. Je suis super content. D'accord. Donc j'ai le privilège d'en voir une de près et puis c'est une image. Hein. Voilà. Une carte. Oui, oui. Voilà. Mais donc personne ici n'en a trouvé dans la nature ou dans une ville ou quoi que ce soit. Ah non, absolument je pense pas que. Non. Si ça se trouve, il n'y en a jamais eu en fait. C'est un jeu de hasard en fait. C'est vous en achetez une, vous ne savez pas laquelle c'est et puis. Ah, faut vraiment en acheter alors. D'accord. Ouais. Je pensais que ça pouvait se trouver autrement. Est-ce que le gouvernement a vraiment une idée de ce qu'on gagne dans la vraie vie? Oui, parce que 10 dollars la carte, c'est des fous. C'est pour les gens très riches, je pense. Oui. Les gens très riches n'ont pas besoin de ce genre d'activité, n'est-ce pas? Ah bah, il faut bien qu'ils s'occupent, hein, quand ils sont trop riches et qu'ils savent plus quoi faire de leur argent. Mais oui, en fait, c'est pas à trouver, c'est vraiment à acheter. Ah oui, ou 10 cartes à 70 dollars. Oui, vous avez le lot de 10 cartes à 70 dollars. Non, mais c'est énorme.
C'est là où on regrette d'avoir un double, hein, par contre. Hein. Là, si... Ah, mais oui, c'est ça. Mais on pleure. Vous savez que ce genre de jeu, c'est interdit dans certains pays. Oui, en Asie, je sais qu'il y a certains pays où c'est interdit, oui, effectivement. De quoi? De jouer aux cartes? Non, d'acheter des cartes et on sait pas ce que c'est dedans et il y a même des doubles possibles. Et voilà, de payer pour quelque chose où on sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, ça, c'est. Ah bon, mais là c'est exactement ce qui se passe. Ah bah oui, là c'est ce qui se passe. Moi je pensais que ce serait au moins moins cher ou qu'on saurait ce qu'on achète, mais je pensais pas que c'était comme ça. Voilà, mais il paraît qu'on peut faire une collection, il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour les ramasser, donc je sais pas. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui collectionnent, oui, mais bon. Il y a des gens, ils font des tas de trucs. Hein. Oui, voilà. Hein. Oui, c'est vrai, il confirme. Et il y en a eu l'exemple ce soir. Il y a des gens qui font des tas de trucs, ils font n'importe quoi, effectivement. Ah oui, vous avez une soirée mouvementée? Ah bah, moi, non, pas spécialement, mais les gens qui font des tas de trucs, oui. moi, de mon côté, ça a été. En tout cas, les décorations à Tumbleweed sont assez sobres. C'est plutôt bien. Aïe, 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 oui. Aïe, aïe, vous voulez me... Le cœur, Seigneur. Pourquoi? Non, mais là, il n'y en peut plus. Vous dites ça et tout, je suis triste. Bah pourquoi oui. Vous vouliez des belles décorations? Écoutez, je suis arrivé quand ils les ont installées à Armadillo. J'ai dit, oh là là là. Oui, là, elles là, sont là. Chouettes à Armadillo, c'est vrai. Elles sont chouettes et tout. J'ai pris mon cabayot, j'ai traversé la plus vite possible que j'ai pouvé. Je suis arrivé ici, j'ai dit, bordel de merde, il n'y a que les citrouilles de l'état général. Bah allez à Blackwater, vous allez être content, je pense. Oui, Blackwater, il y a pas mal de choses à voir. Oui. Vous verrez des attentats dans la rue avec des tripes sur le trottoir partout, c'est incroyable. Ah, oh mais oui, c'est vrai, on a vu une calèche retournée. Une, une carriole ou. Une cocotte géante. Ah, la cocotte, j'ai pas vu. Moi, j'ai même pas vu, punaise, on y a passé toute la soirée, on a rien vu. Il faut lever les yeux. Oui, il faut regarder sur le toit de la ville, vous pouvez la voir depuis les plaines, hein, tellement elle brille. Ah d'accord. D'accord. Bah irez après si la ville se calme un petit peu, Seigneur Señorita. Vous êtes au courant vous aussi jusqu'ici. Ah, oui. Oui, je crois que je suis passé à Blackwater. On m'a dit que c'était pas très calme, mais ça c'est pas le problème. Ah oui. C'est surtout ma ville. Là, je voulais dire ma ville. Il va falloir que je me calme et après peut-être que je partirai. Du coup, tant que je suis là, ça va, elle est calme. Oui. Oui, là il y a de la bonne ambiance ici. Ah, c'est important, la bonne ambiance, non? Ah bah bien sûr, c'est ce qui fait qu'on reste ou pas. C'est vrai. D'accord. Donc, quand l'ambiance elle est nulle, ça va. Ah bah d'accord, bah du coup, j'espère que vous allez rester alors. Hein. Ah voilà, on est c'est bien. C'est très plaisant ici, oui, effectivement. Bah c'est vrai. Bah ici, on n'essaye pas de me tuer, c'est pas mal. Ah, Seigneur. c'est plus respirable par contre. Comment ça, on n'essaye pas de vous tuer, Seigneur? Alors, Armadillo, ça m'arrive qu'on essaye de me tuer, mais bon, c'est rien. Ça fait un moment que c'est plus arrivé, ça va. C'est vrai, ça fait un moment que je suis tranquille un petit peu, c'est bien. Eh oui, mais moi, je vous dis, je suis arrivé ici il n'y a pas longtemps, je suis ici depuis 3-4 jours. Ah là là, attendez. Il y a moins bonne ambiance, ça va. Non, mais si, attendez, c'est un homme à moi, vous inquiétez pas. Vous allez voir, il y avait réglé ça, il revient, excusez-moi. Peut-être regarder ça, moi. Ah oui. Ah oui. Mais moi j'aime bien regarder s'il me regarde pas. C'est pas grave, vous en faites pas. Et du coup, au télégramme, j'avais raison. Il s'est trompé. Oula, ça y est, ça commence. Oh, on va s'écarter. Oui. Alors, est-ce que. Cette violence, c'est toujours. Et si on arrivait bien, ça se voit. Oula, oula. Attention, j'en peux pas. Oui, mais j'ai pris une petite écharde. Oui, bah vous avez fait vous brûler le chapeau. Ah oui, non, en plus j'ai une belle plume. Et vous présente, mes excuses au nom du bureau du chéri. Je ne peux pas voler ma plume. Parce qu'il vous a poussé, je ne sais pas qui est là. Mince. Mais décidément. Ah, je suis bien là. Achille. Mais arrivez. Allez-y, asseyez-vous. Voilà. Parfait. Posez ses fesses pour s'asseoir, mais voilà. Pas par terre. Parfait, puis je suis dos à tout le monde, c'est super. Oui. Ah zut, ils ont encore trompé de sens pour les bancs. Mais oui, ils mettent les bancs dans... Il n'y a qu'un seul banc qui est dans le bon sens, je crois, ici. Ah, ceux à Blackwater, autour de l'école, sont tous ils sont bon tous sens. Ah, c'est vrai? Ah oui, on peut raconter des histoires au coin du feu le soir, c'est très bien. Ah, ça c'est chouette, parce qu'il y en a autour d'un kiosque qui sont tous dans le mauvais sens, là, par contre. On s'était dit, oh bah super, on pourra faire un spectacle ici. Bon bah, disons que ça ferait un spectacle bizarre, avec un public qui fait la gueule. C'est un spectacle où on imagine ce qui se passe. Ah oui! Et les gens se retournent quand ça leur plaît. Oui, c'est vrai, c'est super. Ah oui! Et dirait.
Je veux dans mon équipe. C'est ça. Mmh. Je serais obligé de sortir ma guitare. Blackwater a un incroyable talent. Oui, bah c'est ce qu'on comptait faire en fait. Même. C'est ça. Vous savez jouer de la guitare, vous? Oui. Oh. Oui, enfin, je sais. Ça fait. Je suis un petit peu rouillé, mais il faut que je reprenne. Ah oui, mais rouillé ou pas, nous, les talents, c'est les talents. Ça va dans ma team, ouais. Exactement. Scène, les talents rouillés. Ouais. C'est un peu bizarre quand même. C'est pas très vendeur. Vous savez, ah oui. Bizarre, c'est le mieux normal, c'est le nouveau normal. Mmh. C'est très tendance d'être bizarre. Regardez-nous. C'est vrai, c'est ça le style. Ah. Et vous venez déjà? Blackwater. Ah oui. Et on va reprendre le théâtre de Blackwater. Du coup, on cherche des gens talentueux. Ah d'accord. On s'est déjà croisé, c'est parce que Madame Duval, ici, Denise, a changé un petit peu son style. Mais ça, c'est mon style de chercheuse de talent. Un peu plus rock'n'roll. J'ai déjà dû le rencontrer en fin de soirée, je pense. Ah oui, exactement, on se croise tard. On s'est déjà croisé, mais tard. Avec cette publicité, avec un cheval incrusté dedans, vous rappelez? Sur le saloon de Blackwater. Tout à fait. Dans le mur, là, oui. Tout à fait. Très original. Oui, oui. Bon, c'est dommage, malheureusement, il n'y a plus. C'était intéressant, je dirais. Ah, ça c'était Monsieur Maxwell, hein. Il avait un savoir-faire en termes de publicité incroyable. Ah oui. Mais oui, on se croise, mais de toute façon, vous, les médecins, je les croise toujours assez tard à Blackwater. Bah vous deux, en fait. Bah je ne suis plus médecin. Ah, vous ne l'êtes plus? Non. Oh. J'ai démissionné hier. Ah oui, c'est tout récent. J'ai un peu l'impression que c'est une carrière où les gens finissent par en avoir un peu plein le dos. Oui, c'est exactement ça. Je pense au final, aussi. J'étais en train de tomber en dépression nerveuse, tellement je n'en pouvais plus. Oui. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous croisait pendant vos heures, c'était. Vous aviez toujours. Quand vous nous racontiez vos soirées, c'était toujours un enchaînement de catastrophes, de plein de choses à faire. Donc bon, je comprends. On ne s'appartient pas en tant que médecin et au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus que médecin. Voilà. Même notre propre identité ne devient plus que docteur en fait. Bah c'est le souci. Et puis bah, vous m'aviez dit que pour avoir une journée, une seule pauvre journée par semaine où vous vouliez pouvoir un petit peu profiter de la région, déjà ça passait pas bien. Non, c'est-à-dire qu'apparemment on vous l'avait reproché. Oui, puisque les besoins de médecins sont très forts. Et que les blessés sont nombreux tous les jours. Donc, forcément, des absences, c'est toujours embêtant. Donc, j'ai fait le choix de ne plus être absente, mais de démissionner. Du coup, vous n'êtes plus là. Je suis plus absente en soi, je ne suis plus là. Voilà. Donc, je comprends tout à fait. Oui, moi aussi. J'ai un peu de compassion pour mes collègues qui se retrouvent seuls à gérer tout ça. Mais personnellement, je pense que déjà les médecins devraient être un peu plus payés par le gouvernement. Ah, largement, oui. Oui, c'est vrai. Hein. Pour tout ce que vous faites et pour les services que vous rendez à la société, voilà. Non, c'est pas 4$ de l'heure, c'est pas cher payé, non. Non. Ah, c'est vrai que c'est vraiment très peu. On ne fout rien de deux. Oui. Et on a deux. Exactement. Oui, c'est ça. On cherche un peu d'or et paf. Ben moi, je gagnais seulement moitié moins que ma femme en ne faisant rien. Oui, voilà, alors, c'est ça qui est fantastique. Le problème, c'est pas qu'on ne devrait pas gagner en faisant rien, c'est que les médecins devraient être plus payés, c'est ça que je veux dire. Bah oui, tout à fait. Donc voilà. Bah, surtout quand on voit que les shérifs sont quand même plutôt bien payés pour généralement, dans certaines villes en tout cas, beaucoup moins de travail, il faut l'avouer. Hein. Oui, puis ils sont plus. Et puis ils sont nombreux. Ils sont très. Bah, c'est moins demandeur. Ils sont. Donc c'est vrai que je me dis, bah finalement, les médecins, je comprends pas qu'ils soient moins payés. Oui, après, c'est vrai que les gens s'étonnent. C'est bizarre, il y en a pas beaucoup. On lance des campagnes de recrutement, personne ne veut le faire. Mais... Ouais. C'est bizarre, ça donne pas envie. Non, ben, ça fait au moins 3 fois que je raconte cette anecdote aujourd'hui. Mais quand nous sommes arrivés ici avec ma femme, il y avait personne. Il y avait pas de médecin, quasiment. Et, oui, c'est vrai. On avait appris qu'il y avait une grève massive des médecins qui s'était traduite par une démission massive. Un départ massif. Voilà. Et ah oui, carrément. On avait demandé pourquoi et personne ne voulait nous le dire. Naya. Et maintenant on comprend. Qui était l'apprenti du docteur Carl. Bah, c'est-à-dire que même sans demander pourquoi ou quoi, qu'est-ce, on peut se douter. Oui, on les voit, les médecins. Oui. On les voit courir. Oui, c'est vrai que. Bah là, on ne peut même pas le voir, il n'y en avait pas. Donc. Les gens venaient de mais c'est vrai que la réponse n'a pas tardé à se faire connaître. Ah
Ah, d'accord. Bah écoutez, vous avez bien raison. Tout à fait, de penser à vous. C'est vrai que c'est mieux de ça que là, un jour on la retrouve sur le carreau complètement. Ah bah de toute façon. Et puis c'est un coup aussi à faire une erreur parce qu'on n'en peut plus. Parce que... Effectivement, mais j'angoissais à l'idée de partir en intervention. À chaque fois que le petit Billy courait vers moi, Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est mauvais signe. J'avais plus envie de faire mon métier, même pour soigner mon propre époux, je n'avais plus le courage. Donc c'est pour c'est vrai que ouais. Hier, oui, vous avez défailli. C'est la première fois que je me blessais. Et vous aviez pas, oui, vous aviez pas réussi. Mais bon, c'est. On en est là, c'est-à-dire que le travail devient une source d'angoisse. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Oui, il va vraiment falloir revoir le système. Puis dès que vous posiez un orteil par terre en dehors du lit, il y avait déjà le petit Billy qui toquait à la porte. Bah oui. Donc voilà. Obligé de se mettre l'oreiller sur la tête la nuit pour pouvoir dormir. Donc, oui, puis ça devait être chouette quand vous vouliez juste profiter peut-être d'un moment tranquillement. Ça, voilà, c'est pas possible en fait. Hein, oui. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que toute la ville se rassemble à un endroit. Vous pouvez même pas le voir forcément parce que on vous appelle pour plein d'autres choses. Vous imaginez, je passe une nuit avec ma femme et il y a le petit Billy qui sort de toute la couverture. Bonjour, il y a quelqu'un ici. Regardez, juste là. C'est pas possible. Aidez-nous. Ah oui, non, ça devait être assez. Ah c'est horrible, vous avez des petits projets depuis hier. Profitez de la vie. Profitez, oui, tranquille. Avoir une vie, oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tout à fait. C'est ce que je fais depuis que je suis là. Et bah, je vais engrainer pour qu'elle fasse de la même chose. Déjà j'ai beaucoup apprécié ma première journée de vraie liberté. Oui. Bah on a fait un peu de tout aujourd'hui au final, un peu de pêche, de la promenade, le concours de photographie. Oh, il y avait un concours de photos. Oui. Oh, j'ai même pas vu. Donc les gagnants ont été désignés, il y a eu trois gagnants. Et c'était les photos, il fallait photographier des animaux sauvages. Et c'est chouette. Oui, c'était une très bonne idée. Et c'est monsieur Donovan qui a gagné, et il a photographié un ours à peu près 4 cm de sa gueule. Ah oui, d'accord. Et la suite de la photo, c'est le médecin qui l'a fait. Il a gagné un prix posthume, en fait, du coup. Non, c'était un ours noir, et donc les ours noirs sont assez peureux. D'accord. Généralement, ils n'attaquent pas, ils préfèrent fuir. J'en ai pas croisé, je crois. Ouais, ils sont beaucoup plus petits, hein, généralement, on s'en rend vite. Quand il y en a souvent entre Blackwater et McFarlane Ranch. Ah oui, d'accord. Je peux même vous dire où. Ils sont craintifs, ils resteront pas en face de vous, en général. Je dirais que c'est à peu près. Attendez. Je suis un peu perdu. McFarlane est là. Oui, ça doit être un petit peu au-dessus de Lower Montana River. D'accord. Au niveau de la boue, je pense. Peut-être un peu plus haut, vers Quaker's Cove. D'accord, bon, c'est bon à voir. Dans ces eaux-là. Ouais. Effectivement, j'en ai déjà croisé un ou deux ici. Et puis il y avait les castors aussi, c'est vrai. Une photo de castor, normalement. Et ça, c'était. On l'avait prise au lac Wangila, celle-ci. Ah, c'est joué. Vous avez pas participé, vous avez juste vu. Moi, j'ai aidé une candidate à utiliser son appareil photographique. Et je l'ai aidé à trouver des castors, justement. D'accord. Donc, oh, bah ça va dire. Elle a fini troisième. Ouais. Donc, ah, bah c'est sympa. Oui. Et puis j'ai pu tester un appareil photographique, j'ai pris quelques photos comme ça pour rigoler, et puis c'était sympathique. Comme oui, ça, c'est vrai que j'ai pas essayé, moi. Non, moi non plus. Ah, c'est sympathique. Après, il doit pas être donné. Hein. Oh, il est à 9$. Oh, ça va. Je m'attendais bien pire. Vous en trouverez à Armadillo. C'est-à-dire que ça coûte moins cher qu'une carte. Ah oui, c'est plus utile. C'est plus utile, bah oui. On pleurait. Donc, vous avez été regardé à Valentine? Non, on n'est pas passé par Valentine parce que je savais qu'il y en avait à Armadillo, je les avais vus moi-même. Je sais aussi que Valentine, tout est beaucoup moins cher là-bas, j'ai l'impression au niveau des. Plus fourni et moins cher, oui. Armadillo et Valentine, si vous voulez du matériel, c'est là-bas qu'il faut aller. Hein. Ah oui, c'est moins cher. D'accord. Ah. Oui. Bah, je crois que ma paire de jumelles m'a coûté un peu moins de $6, je crois, si je me souviens bien. Moi, $5, je crois, ouais. Alors qu'à Blackwater, Blackwater, c'est 10 et quelques. Donc, D'accord. Bah, moi, il n'y en avait même pas. Quand je voulais en acheter à Blackwater, j'avais dû aller jusqu'à Saint-Denis, je crois, là, il y en avait. Monsieur Fiodor ne fait du matériel que sur demande. Il n'y a pas de stock.
Donc, et puis les fruits sont deux fois plus chers qu'ailleurs. Donc, bah, ah oui, désolé, bon, bah, ça explique pourquoi on a. Oui, oui, d'accord. Voilà. C'est bon à savoir. J'ai même pas de munitions pour mon revolver là-bas. Donc, je. Ah oui, faut aussi les. Faut aussi les demander mais qui, presque. Mais qui les commander. Travaille comme ça sans stock, ça n'a pas de sens. C'est monsieur Fiodor, à Blackwater. Ah oui, bah, il n'a pas de sens, monsieur Fiodor. Mais il n'a pas depuis très longtemps, le magasin. Depuis deux semaines au moins, je pense. Ah d'accord. Oui, quand même. Je sais pas, je connais pas sa politique de d'approvisionnement ou de prix. Donc, mais je sais qu'il s'est déjà fait remonter, enfin pas remonter les bretelles, mais il y a déjà des gens qui l'ont fait remarquer qu'il est trop cher. Ah, bonsoir, professeur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, j'ai faim, moi, dis donc. Ça va et vous? Ça? Oui. Est-ce que les Miss Park et Monsieur Park t'ont déjà entendu chanter? Moi, oui. Oui, je me suis arrivée là-dessus, d'ailleurs. J'ai pas eu ce plaisir. Oui, on s'est déjà rencontrés avec Miss Park. Vous êtes habillée à sortie, c'est incroyablement... Une petite démonstration, peut-être. Cute. Ah, je vous l'ai dit, oui. C'est incroyablement cute. Ils sont trop mignons, je leur ai dit. C'est vraiment très mignon. C'était totalement involontaire et on s'est retrouvés au hasard comme ça en disant... Ah, vraiment? Oui, bah, c'est vraiment. Fou. Vous êtes des âmes sœurs. Alors, une petite pipe. Vous avez créé votre. Votre truc de talent? Truc de talent, enfin. On va faire un concours de talent. Mais pour le moment, on essaie toujours de voir avec Monsieur Pennyworth pour reprendre le théâtre, mais il n'était pas là quand on a voulu le voir. Parce qu'il nous avait dit qu'il fallait voir avec le gouvernement, et le gouvernement nous a dit bah, faut voir avec Monsieur Pennyworth. Donc bon, donc ça, voilà, on veut bien et voir Monsieur ça avec Pennyworth qui veut. Monsieur Pennyworth va vous dire qu'il faut voir ça avec le propriétaire du théâtre. Voilà. Ah oh bah il a personne. Normalement il est à Blackwater le théâtre. Mais, écoutez, moi je vous suggère quelque chose. Si vous voulez commencer à tester les choses, faites-le sans l'aval des gens. C'est-à-dire si vous voulez monter des spectacles, faites-le. Et bah c'est vrai qu'on y a accès. Bah oui, faites-le. Ou même vous faites des spectacles itinérants en attendant. Voilà. Bah surtout qu'à côté, il y a un petit kiosque magnifique où on peut aussi faire des petits théâtres, des petites pièces. Ces fameux bancs montés à l'envers, c'est du c'est... Voilà. Mais, Denise, pourquoi on s'embête avec cette histoire de dossier, du coup? Bah tout à fait, surtout qu'il faudra payer des taxes une fois fait. On va devoir payer un loyer et tout, alors qu'on a la porte qui est ouverte. Ah, j'ai participé à un concours de chant et le monsieur Robert Johnson, là, qui fait des théâtres, m'a proposé de faire un spectacle avec lui. Oh, incroyable. Alors par contre, il m'a dit tragico-comique. Ah oui, tragico-comique. Oh non, vous êtes le tragique. Ah. Votre voix sera tellement émouvante que ce sera là pour... Ma voix tragique, ouais, c'est... Voilà, ce sera là pour venir un petit peu assommer le public, un petit peu le moment intense, vous comprenez? C'est le terme est bien choisi. Vous allez arriver dernière, hein. Bah, vous êtes première en partant de la fin, en soi. Ouais, enfin bon... Faut vous dire que... Dernière, quoi. Oui, non, mais le problème, c'est que vous, il vous faut plus une comédie musicale que du chant, je pense. Ah, mais oui, voilà. Moi, c'est plus... Il vous faut du jeu. Vous comprenez? Il faut du jeu. J'ai senti le feu me... Oh, c'est vrai, une comédie musicale. Regardez, Daphné, des fois, elle a des idées flambantes. Flamboyantes. Oh là là, regardez. Waouh. Elle est magicienne. Une idée lumineuse. Daphné, ils font des spectacles de magie au théâtre. Mais oui. Oh, des spectacles de magie. Alors ça, ce serait fantastique. Une soirée magie. Oh, ce serait dingue. Comme le... Et vous vous rappelez du gamin qui arrivait à jouer? Je pense que vous pouvez même danser comme ça. Ah, je sais plus, c'était au saloon. Allez, pas je vais faire la neck dance avec ça. La quoi? La neck dance. C'est quoi? La danse de Cooper, t'as jamais vu? Attends. Ah, si, ça. La danse de Cooper. Là. Oui, c'est pas mal, ça. Voilà. Oui, oui, je pense qu'il y aurait moyen de vendre des billets pour voir ça. Hein. Waouh, c'est magnifique. Je crois qu'à l'origine, c'est la danse de Von Kruken. Mince, il y a plus long cheval, j'ai pas fait exprès. Ah, de Karl? Oui. Je doute qu'il vienne. Bon, tant mieux, j'ai eu peur. Allez savoir, hein. Le mien a déjà failli défoncer la porte du bureau de... Je l'ai entendu, mais elle est pas venue. Oh là, j'ai eu peur. Ça, c'est la pipe, j'ai fait un bruit très strident avec. Et après ça, la neck dance, il y a des variantes, ou pas? Alors. Il y a des variantes, hein. Voilà, donc. C'est alors, laquelle est donc? C'était
c'est dans les blessures, enfin c'est... Ah alors, oui, c'est quand, on... c'est quand on imite une blessure. Vous avez mal au cou. Et on a mal au cou. Il est mal au cou. En tout cas, on espère que vous êtes contents d'être venus des Aquaterms et Monsieur pour Park. Voir ça. Je serais davantage content de voir ça que les cartes, hein, je vous le dis. Bon, ça va. Vous avez quoi comme carte? Rien du tout, on n'a pas voulu dépenser 10 dollars pour ça. Ah, j'ai dépensé 10 dollars. Ah, vous n'êtes pas fait arnaquer comme moi. Avec une pipe, ça va être élégant. Avec une pipe, c'est très très drôle. J'ai une pipe et un monocle. Ah oui, celle-là aussi. Ah oui, quand on a mal au dos. Voilà, et vous pouvez aussi faire ça. Ah oui, la back dance. Celle-là, voilà. Celle-là, c'est pour mettre le popotin en arrière, hein. Oh, tout à fait, tout à fait. Oula. Oui, c'est la ponce du dos, vous voyez. Ah, vous le faites drôlement bien. C'est quoi déjà le houssa? C'est tu laves les mains et tu danses comme si tu étais bourré. Ah oui. Ah, attendez. Oussa. Fesse en arrière. Ça va, Prosper? En tout cas, on a l'air de gens très sains d'esprit, tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu particulier parce que j'ai plus mal à la nuque, mais il continue de le faire. Ah, est-ce que vous faites ça à Blackwater? Ah non, on n'a pas. Enfin, à une époque, il y a des gens qui faisaient des représentations comme ça sur l'estrade, là, mais c'est terminé. Ouais. Ça va les cheveux? Oh, il y en avait aujourd'hui. Ça crame pas trop, non? Il y avait un spectacle de pirates aujourd'hui. Oui. Il y avait des pirates qui ont fait des chansons de pirates. Ah, votre monocle est incroyable. Ah, merci, merci. Ça, c'est pour avoir l'air classieuse quand je cherche des talents. On va aller faire un tour. On va chasser, du coup? Oui. Allez, venez. Eh bien, messieurs, dames, nous avions prévu une chasse. On passait un très bon moment, mais... Nous avions prévu une chasse. Ils ont passé un très bon moment, mais du coup, ils sont obligés de passer le reste de la soirée avec moi, donc forcément, ouais, ça va être bah, du coup. Ah, bah, on fait voilà. Pour Moira, pas toi, hein. Ouais, ouais, mais vraiment pour Moira. Ça, j'ai bien compris ça. Eh bien, bonne chasse. C'est que vous disiez, mais d'accord. On disait qu'on avait envie de rester avec toi et pas avec ton père. Je me casse. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée, ouais, bonne soirée, très bonne chasse. Bonne soirée à vous. Misez-vous bien. Si vous avez un talent, Duval, je suis là. Hein. Tout à fait. Vous serez juré, ce sera encore mieux. Oh, ah oui, c'est vrai. Oh oui, merci. J'ai tellement hâte. Oui, vous pourrez dire si c'est et nul ou si c'est pas nul. Dans mon futur journal qui s'appellera Le Cactus, l'info qui pique. Ah, le cactus. Ah oui. Oh, ça m'intéresse, ça. C'est en cours de demande. Ah oui, bah, bon courage alors. Bah, oui. Bonne attente. Hein. Merci. Parce qu'avec le gouvernement, ça va pas être facile. Oui, je dis pas ça par hasard. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Bon courage. On va arrêter la VOD là-dessus. Bisous. J'avais mal compris en fait. L'info qui pique et j'avais compris une info qui pique. Moi aussi, j'avais compris l'info qui pique. Oui, c'était spécial. Le cactus, l'info qui pique, oui. Ah, écoutez, ça se vend vrai, je pense. Faut bien que les cactus se reproduisent. Oui, je n'ai pas relevé, mais j'ai trouvé ça bizarre quand même. Le magazine a. Oh, bah, disons que ça fait un sacré jouet, quoi. Oui. C'est ça. Puis faut bien que les cactus se reproduisent à un moment. Oui, c'est ça. J'ai jamais vu des bébés cactus. Ah. Je vous en ai donné un l'autre fois, d'ailleurs. La fameuse figue, là. Ah, oui, c'est vrai, une figue. Ça pousse sur les cactus. Mais pour vos spectacles, en tout cas, je vous recommande de pas attendre. Parce que le nombre de gens que j'entends qui disent « Oui, j'ai un projet en demande et j'attends. » Je vais arrêter d'attendre. Enfin, si vous pouvez faire des représentations. Je sais qu'il y a un projet d'école à Blackwater. Il y a des gens qui aimeraient donner des cours. Je sais pas, vous avez pas besoin d'autorisation de quelqu'un pour donner des cours. Vous rentrez dans la salle de classe, vous faites un cours et puis voilà.
Et rien ne vous empêche de commencer à le faire, parce que sinon, si vous attendez, vous pouvez attendre longtemps. Donc, merci beaucoup du conseil, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on en tiendra compte. Mais c'est parce qu'en fait, le gouvernement a l'air d'être assez procédurier et vouloir des dossiers, des sous-dossiers, et des formulaires, et des... voilà. Oui, oui, en 4 exemplaires et en 8 volumes, oui, non, mais je sais. Mais personne ne les lit, j'ai l'impression, en fait. Non. En fait, voilà. En fait, l'histoire, c'est que... Moi, je vais vous dire, il y a une technique. J'arrête la VOD bientôt, vous mettez là, votre chose en place, votre projet en place, vous le mettez en place. Les gens voient ce que vous faites. Parce que qui vous voulez convaincre en premier? La population. C'est pas la population que vous faites ça. Tout donc, à fait. C'est nous qui allons le voir en premier. Et plus vous ferez cela, plus les gens en parleront, plus les gens sauront déjà que ça fonctionne. Plus tard, à Saint-Denis, là-bas, l'administration, ils seront bien obligés de reconnaître que ce que vous faites fonctionne déjà. Donc pourquoi vous casser la tête? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à admettre notre talent. En fait, ils vont le prendre en pleine tête. Exactement. En plein visage. Voilà. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, tout la culture aura sa place à Blackwater. Avec un grand C. C'est exact, ça. Avec un grand K et un grand Q. Voilà. Donc voilà, et il suffit, vous serez déjà prouvé vous-même bien avant d'avoir l'aval de gens qui ne seront pas là pour vous voir de toute manière. Parce que une démonstration vaut bien 1000 mots, hein. Les dossiers c'est bien gentil. Oui, c'est pas faux. Surtout que bon, le théâtre il est même pas fermé, donc... Oui, bah oui, on peut y accéder. Bon. Vous pouvez faire des essais, parce qu'imaginez, vous faites un dossier et au final vous vous rendez compte qu'il y a un problème technique alors que vous avez été validé, vous faites quoi? Bon. Et là, si vous essayez tout à l'avance, bah, vous le saurez. Et vous saurez déjà comment tout faire. Donc, C'est une excellente idée. Chère Denise, je nous considère désormais gérant du théâtre de Blackwater. Tout à fait. En fait, la seule raison pour laquelle les gens sont obligés de passer par un dossier, c'est pour avoir éventuellement des subventions. Mais vu l'allure des subventions, honnêtement... Bizarrement, j'ai l'impression qu'on pourra attendre longtemps. Bah, là, on vous renverra vers Monsieur Pennyworth, comme quoi les subventions seront données uniquement par la ville, et ça sera lui de gérer ça. Et donc, il sera ravi de casquer encore pour quelque chose. Exactement. Voilà. Bah, déjà que ses budgets ont été réduits, donc oui. Donc, ça ne savait même pas. Ah si, si, par deux. Donc... Ah bah d'accord. Déjà que les gens, ils ont tendance à faire être que de passage à Blackwater. Mais en fait, on lui a dit que la ville n'était pas assez dynamique, donc il ne méritait pas son salaire. Et bah, va falloir qu'on remédie à ça. Bien voilà, finalement, il va falloir bel et bien faire les choses dans cet ordre-là pour que la confiance envers la ville reprenne. Mais bon, moi, merci. Qu'à cela ne tienne. Tout à fait, vous nous avez conforté dans notre idée. Merci beaucoup. On va s'y atteler, comme ça, bah, ça va faire des étapes en moins. Puis comme ça, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous n'aurez pas à attendre, vous le ferez spontanément, tout de suite. Bonsoir, Voilà, monsieur Dubois. Bonsoir, monsieur Dubois. Oh, j'adore votre chapeau, vous savez que je l'ai porté pendant... franchement, pendant 3-4 semaines, j'avais ce chapeau. Non, mais effectivement, il est tellement classieux. Ah oui. Pourquoi je fume la pipe? Ah bah oui. Bah oui. Quelle grande de classe. Ah oh, merci. C'est ma tenue de chasseuse de talents. Vous chassez des talents? Oui, on chasse des talents. Avec vous n'avez pas un talent, monsieur le Dubois? Avec l'arme de la persuasion et du style. Wow, oh, c'est vendeur, hein. Oui, pour le théâtre de Blackwater. Nous cherchons des talents. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez dit, oui. Tout à fait. Oui. Vous poussez pas la chansonnette, vos Dubois? Oui, vous avez des talents? Non. Un peu la danse dans la peau. Vous jonglez avec des trucs. Oui. Vous faites de la magie. Apparemment, j'ai une sacrée paire de fesses, mais... Je crois que c'est mon seul talent. On peut étudier le dossier, ça peut être intéressant. Madame Denis, je ferai un plaisir d'avoir un entretien privé avec vous, si vous voulez. Je me sacrifie. Elle a une certaine expertise sur les petits culs. Tout à fait. C'est d'ailleurs une des deux lettres de son télégramme. Oui, FQ. Elle en a vu. Oui. Ben oui. C'est pour ça, je sais reconnaître le talent du cul. Sur ce, je dois vous laisser, je dois me faire soigner par un doc. Ah, bon, ah bah écoutez. Bonne route, hein. Et puis faites attention sur les routes, il y a plein de chevaux. Bon courage, parce que je crois qu'ils sont tous partis à la chasse. Ah, ils sont partis à la chasse. Ah oui, c'est vrai. Ils sont partis. Oui. Oui.
Docteur Weber est parti, Docteur Daphné aussi. Ils sont partis dans le désert. Donc si vous cherchez dans le désert, peut-être que vous les trouverez. Oui, bah je vais dormir ici surtout. je verrai ma sœurette demain qui me soignera. Et ça voilà. Va, 26. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée, M. Dubois, à la prochaine. Bonne soirée, M. Dubois. Je crois que nos amis avec qui nous sommes arrivés, ils sont repartis sans ils nous. Ils sont partis sans nous, oui. Ah, ça fait un moment déjà. Vous êtes venus avec qui? Ah bon. Avec Georgia, Dexter, et Achille. Ah oui. Ah oui, je les ai vus de loin. Bah, ils étaient à côté, ils discutaient là-bas. Oui, mais ils étaient et là. Et puis maintenant, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils vous ont même pas dit un petit mot. Non. Non, non, non. Bah, ils sont peut-être au salut, non? Peut-être. Si, ah, mais il y a des... Avec un peu de chance, mais... C'est vrai, c'est vrai. Faudrait que j'aille manger un morceau, je pense. Mais il y a, oui, il est à personne, le saloon, je crois, si En tout cas, il est à ah, d'accord. Ah, bah, très bien. Je vais y aller. Je vais peut-être aller faire un tour. Allons-y. Bah, allons-y. Allons les chercher. Nous nous laissons porter par le vent, ce soir. Comme oui. Tous les soirs, pour ma part. Je tiens à remarquer que nous avons tous de très beaux chapeaux. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Exact. Nous sommes on tous devrait faire un club. Oui, on fumerait la pipe avec des chapeaux. Avec des chapeaux. Oui, dans ce toi. Vous avez vu, il s'est pris une calèche de Prosper, c'est celle-là. Enfin, un petit chariot. C'est son chariot. Oui, apparemment, là. Ce truc-là. C'est beaucoup plus agréable pour. Agréable et confortable pour voyager. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, dans le désert, on a un petit peu peur de se retourner tous les deux virages, mais. Mais bon, on ne vit pas sans risque. Les routes sont maudites. Oui, hein, c'est pour ça que j'ai dit à Prosper, bro. Attention, regardez. Bon, en ce moment, il se passe des choses. Ils sont bien. Ah, bah, ok. Bien, nous le saurons pour la prochaine fois, nous partirons en balade de notre côté. Oui, c'est ça. Ou alors nous hurlerons, ouais, vous êtes en train de partir sur nous. Voilà. Où allez-vous? Voilà. Un petit chili in tequila, tiens. Hop là. Je reviens tout de suite, je vais faire pleurer Pauline. Très bien. Faut que j'aille aux toilettes, j'en peux plus. Ça s'ouvre pour moi, et je fais rien. Moi j'y vais en courant, hein, parce que sinon je peux finir. Ok. Bisous VOD. C'était nous qui chassons des talents. Pause pipi.